زلازلات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات والبلود اللامعات الخافقات في الجبال الشامخات الشاهقات نحن طرنا في حياة أو ممات وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر فاشهدوا فاشهدوا Salam alaikum tout le monde, les auditeurs, salam pour cette nouvelle édition de C'est vous l'expert, une édition spéciale du jeudi qui n'était pas forcément prévue, mais comme Bilal il insistait parce qu'il a énormément de choses à nous dire, on lui a fait plaisir, on lui a pondu une émission, faites tourner, on voit que ça commence à se connecter, faites tourner à vos amis, on a un invité ce soir, on a un invité spécial, on attend qu'il se connecte et on vous l'annonce. Je serai accompagné ce soir par monsieur donc Bilal, salam alaikum Bilal, comment tu vas? Alaikum salam Adlan et salam alaikum à tous. Bien sûr, on est là pour. On n'a pas dit assez de choses lundi. Ouais, on n'a pas assez. Et je sais, en plus, tu étais à l'animation, tu ne pouvais pas tout dire. Donc là, on va te donner la parole. Bilal, tu vas pouvoir te lâcher. C'est ton round ce soir. Je serai accompagné aussi. Nous serons accompagnés de monsieur le grand, l'unique, Mehdi. Salam alaikum, Mehdi, comment tu vas? Salam alaikum, les frères. Ça va, alhamdoulilah, très très bien. Bonjour à tous les auditeurs. Je vois qu'ils arrivent en force. Ça fait plaisir, il y a toujours les mêmes en plus. Taha, dédicace, voilà, dédicace à tous. Ouais, les... c'est la petite famille, on est dans le même salon là. Ouais, c'est ouais, nos amis c'est dans le salon. Bientôt, on sert le thé pour tout le monde. Mehdi, tu es où? Parce que toi, tu n'es jamais au même endroit, donc tu es dans quel coin du monde? Bah écoute, j'ai quitté la Côte d'Ivoire il y a une semaine, triste, la boule au ventre. On a été super bien accueillis par les Ivoiriens. Et puis, on était triste parce que la compétition, on sentait qu'elle démarrait au niveau de l'ambiance, surtout là-bas. Mmh. Et c'est bien dommage d'être rentré aussitôt. Mais voilà, la CAN, on va en reparler tout à l'heure. Plein de surprises. Moi, je suis en Tunisie, là, pour l'instant. D'accord. OK. Mmh. Super. C'est ça, c'est génial. On a des chroniqueurs dans les quatre coins du monde. On ne sait jamais où ils sont. On arrive. Bilal, tu es dans. Parce que. Lundi, tu étais sur Paris, l'avant, tu étais à Boaké, après, on t'a eu d'Abidjan, là, tu es où, là? J'ai essayé un peu de suivre le rythme de Mehdi, mais c'était pas encore ça. Il me manque encore quelques billets d'avion, quelques passeports, quelques visas. Bilal, ouais. il est arrivé à Boaké, il était mort, j'ai dit, viens, on va manger. il s'endormait, il n'en pouvait plus. C'était un périple. En tout cas, les gars, bravo. Vous avez quand même pu kiffer un petit peu malgré la déconvenue, mais c'est toujours des bonnes expériences à prendre. De Hila, bien sûr. J'ai un petit cadeau pour Bilal, pour lui rappeler des très bons souvenirs. Je sais que tu as pleuré beaucoup. Il y a une grosse histoire, les gars, avec ça. Hein. Avec ça. T'as pas un paquet de chips qui traîne aussi ou pas du tout, non? Il n'y a pas ça? Ils sont partis au marché de la place de la paix à Boaké. Ok. Ok, en tout cas, voilà, l'invité va pas tarder. On a eu des nouvelles, il va pas tarder à se connecter. En attendant qu'il arrive, on va entamer directement, on va parler. Il y a eu. Alors, nous, certes, on est déçus, je crois. On dirait qu'on a ouvert une porte, hein, les gars. On a trouvé une brèche, on l'a ouverte. Il y a pas mal d'équipes qui sont rentrées dans la brèche. On a eu énormément de surprises au final. Dans cette cale-là jusqu'à présent, il y a des gros qui sont sortis. Peut-être quelqu'un peut me rappeler qui se lance, me rappelle un peu les résultats. Surtout pour les plus gros, parce que c'est ceux qui sont le plus surprenants. Bah, il y a la Tunisie, on pensait quand même qu'ils allaient passer les poules. Le Cameroun qui est sorti aussi. Le Sénégal. Surprise sans en être, on va en reparler à Adlène, hein, parce que c'est. C'est quand même habituel que le champion sorte très très tôt. Le Maroc, la plus grosse surprise, sûrement, et l'Égypte, pour citer les plus gros. D'accord. Et la plus grosse des surprises, c'est la Côte d'Ivoire qui était quasiment. Nous, on était sur place encore. Les mecs, ils pleuraient. Ils disaient, on est éliminé, on sort de la compète et tout. C'était improbable qu'ils se qualifient. Il fallait des résultats, des matchs nuls, des victoires de telle équipe. Les gars, ils se qualifient, mais par chance. On ne sait pas comment, sans entraîneur, donc on en reparlera tout à l'heure, ils arrivent à taper le Sénégal, à sortir le champion en titre.
et à se qualifier pour les quarts de finale. C'est un truc de fou ce qui s'est passé. Et Mehdi, je ne sais pas si tu te rappelles un petit peu de l'ambiance qu'il y avait sur place. On était les premiers déçus qui sortent parce que, en fait, il y avait une telle ambiance dans toute la Côte d'Ivoire que, en fait, le pays organisateur qui sorte, on avait peur un peu que ça redescende beaucoup. Donc, du coup, on était les premiers assez déçus qui sortent. Et encore une chose, Adeline, mais vraiment, faut mettre un point sur l'organisation et sur le pays de la Côte d'Ivoire. Franchement, c'était incroyable à vivre sur place. On aurait kiffé rester plus longtemps, bien sûr, par rapport à l'organisation. Parce qu'ils ont tenu leur promesse. Hein. Ah ouais, franchement. Ouais. D'ailleurs, le slogan de la CAN, c'est Aquaba, ce qui veut dire bienvenue. Et en fait, ils nous ont vraiment très, très bien accueillis. Donc, Au final, c'est pour un, on va faire quand même un petit rappel, c'est qu'ils n'étaient pas dans les temps, hein, la Côte d'Ivoire, soyons clairs. Ils étaient très, très en retard sur pas mal de choses, notamment les infrastructures. J'avais, moi, à l'occasion, envoyé un message à un ami en Côte d'Ivoire plutôt bien placé qui m'avait dit « T'inquiète même pas, on sera bien ». Et au final, force est de constater, j'y suis pas allé malheureusement, mais vous y étiez. Apparemment, tout se passe bien, j'ai eu très bons échos. Ils ont même fait une application dédiée que j'ai téléchargée parce que je devais partir et au final, j'ai pu un peu surfer dessus. Donc franchement, bravo à nos amis ivoiriens pour cette organisation, surtout ceux qui étaient présents. Mais alors les amis, je vais pas… Dis-moi. Si tu me permets de rajouter juste quelque chose, Adeline, très rapidement. Il y a une information qu'on m'a donnée là-bas sur place qui était que j'ai trouvé très intéressante, c'est par rapport à la préparation mentale des Ivoiriens qui étaient sur place pour la CAN. En fait, depuis deux ans, ils mettent dans la tête de tous les Ivoiriens, on est le pays de l'hospitalité pour en fait préparer la population à accueillir de la meilleure des manières et être fier en fait d'être un pays accueillant. Donc ça, c'était un point aussi que je voulais rappeler. Dans tout ça. Merci pour cette précision. On ne va pas le laisser attendre plus longtemps parce que ce n'est certainement pas un joueur de touche. On a notre invité qui attend en studio. On va le faire rentrer. Les amis, pour ceux qui savent, il y en a qui savent, il y en a d'autres qui ne savent pas. Donc, je vais vous demander, les amis chroniqueurs, mes deux amis chroniqueurs, d'accueillir notre ami Hassan Yebda. Bravo, Hassan. Salam alaikum. Hassan. Salam à tout le monde. C'est pas un accueil chaleureux. Ça te rappelle tes plus belles années au 5 juillet. Je ne sais, pas besoin de le dire, ça se voit à ton regard. Comment tu vas, Hassan? Ça va, merci. Alhamdoulilah, tout va bien. Eh ben, alhamdoulilah, bienvenue à toi, Hassan. Merci d'avoir répondu présent. C'est marrant, on avait Rafik il y a lundi soir en invité. On t'a à toi aujourd'hui, on sait les rapports que vous avez. Vous avez été formés ensemble, il parle souvent de toi et en bien. Donc, c'est assez marrant, cette petite liaison là sur quelques jours. On a Rafik Djebbour le lundi. Ouais, bien sûr, et j'exerce, et beaucoup plus que ça. Je pense que c'est sur le terrain et en dehors du terrain, c'est nos vaillants, ça c'est nos vaillants. Pour les plus jeunes, peut-être vous en rappelez pas trop, mais ça c'est c'est de là que je pense que vient un peu aussi le terme de gladiateur. C'est nos vaillants. Hassan, bienvenue à toi. Donc tu as suivi comme nous tous la CAN. Tu sais qu'on tombe de très haut, il y a eu cette déception, on essaye de digérer petit à petit, c'est un peu plus facile pour certains, beaucoup plus difficile pour d'autres. Est-ce que tu peux nous donner comme ça, en quelques mots, juste pour commencer, un peu ton avis, ou peut-être, attends, avant de te lancer, est-ce que vous avez d'abord des questions, messieurs Mehdi et Bilal, à poser à Hassan, là, tout de suite, comme ça, maintenant, d'emblée? Bah là, maintenant, c'est bon, déjà, salam alaikum, Hassan. Qu'est-ce que tu deviens? Parce que nous, on t'a laissé au Portugal, je crois, ta dernière expérience professionnelle. Tu as eu un parcours très atypique. Je pense que tu es un des rares joueurs qui a parcouru les cinq grands championnats en Europe. Donc, j'aimerais savoir ce que tu deviens aujourd'hui et c'est quoi ton après-football, en fait. Hassan, s'il te plaît, juste, je peux me permettre, tu peux tourner ton téléphone si ça ne change rien pour toi, ça change beaucoup pour nous. Voilà, super. Voilà, magnifique. C'est bon, on est bien? On est super. Ok, parfait. Ben, salam alaikum à tout le monde déjà. Merci de m'avoir invité. Et deuxièmement, ben, je vais revenir sur la question. Qu'est-ce que je deviens? Ben, voilà, je suis sur Paris. Je suis sur Paris avec ma famille. Je profite de mes enfants, de ma mère et de mes proches. Après, aujourd'hui, je suis plus trop, on va dire, dans le monde du football. Je me suis un petit peu écarté, même si j'ai passé mes diplômes d'entraîneur.
juste avant le Covid. Et après, le fait que le Covid arrive, je me suis mis un petit peu en retrait. Et puis, voilà, j'ai plus profité de ma famille. Voilà, j'ai eu quelques soucis aussi d'ordre familial. Et voilà, aujourd'hui, on profite de. Voilà, c'est surtout ça. On profite de la famille et on profite des enfants, on les voit grandir. Et voilà. Magnifique, Hassan. Donc toi, comme disait Mehdi, toi, tu as connu des gros championnats. Hassan, est-ce que tu peux te présenter peut-être en quelques mots pour les plus jeunes? On voit dans les commentaires qu'il y a énormément de gens qui suivent la page et l'émission qui te connaissent. Bien évidemment, c'est des connaisseurs au même titre que nous. En quelques mots comme ça, ta carrière, parce que bon, nous, on la connaît, on est un peu, Ouais, bien sûr. peut-être un peu plus vieux. Ouais, bah, j'ai fait ma formation à la JOXR de 13 ans à 21 ans. Ensuite, je suis passé par Laval. J'ai été prêté à Laval à l'époque pendant 6 mois, comme je revenais d'une grosse blessure. Ensuite, j'ai été au Mans pendant une saison et demie avec Rudy Garcia. Du Mans, j'ai été à Benfica. Benfica. Avec Quique Flores et Jorge Jesus, que j'ai pu connaître. Ensuite, j'ai été prêté à Portsmouth avec Nadir Belhadj. Ensuite, voilà, il y a eu la Coupe du Monde 2010, il y a eu la CAN 2009. Ensuite, j'ai fait un tour à Naples aussi en Italie, où on a pu se qualifier pour la Ligue des Champions. Ensuite, il y a eu Grenade en Espagne avec Yacine Brahimi. Voilà, où on a passé des très, très bons moments ensemble. Et ensuite, il y a eu la Coupe du Monde 2014. Après, j'ai été à Dubaï et je suis revenu pour finir ma carrière à Belenenses, au Portugal. Eh bien, dis donc, quel CV, ce n'est pas un CV. Ça, c'est sur Wikipédia, ça fait 5 gigas cette Ouais, histoire. C'est magnifique. Magnifique, pas franchement mal. magnifique. Nous, en tout cas, tu vois, on peut lire dans les commentaires. Il y a plein de gens qui suivent. Hein. Il y en a plein. Alors, il y en a, ils se rappellent de ton passage à Naples pour beaucoup, la Panenka. Il y en a qui se rappellent de ton passage à Benfica, d'autres qui vont parler plus de ta teinture. Il y a aussi le guerrier que tu as été en équipe nationale. On a Mohsen, mon ami Mohsen, qui est en ligne. Salam alaikum, Mohsen. Donc, lui, doit être connecté sûrement. D'Alger. Et lui, il se rappelle ben, d'un match amical Auxerre-JSK. Ouais, c'est vrai, c'était Et un le but super. contre le Maroc aussi, le penalty. Oui, aussi, ouais, c'est vrai. Ah, Ouais, ouais. Navas, c'est insolite. Des Magnifique. bons Magnifique. souvenirs. Voilà, maintenant qu'on a remis les choses un peu en place et qu'on t'a remis, qu'on t'a mis quand même un petit peu à l'honneur parce que tu as été un grand joueur de l'équipe nationale, tu as porté haut nos couleurs. C'est marrant parce qu'on a eu Belhadj aussi juste avant Rafik, tu vois. Donc, on est dans la continuité. Dis-moi, Hassan, cette CAN, ton impression? Bon, j'imagine que tu as regardé jusqu'à quand est-ce que tu continues à regarder? Ton impression déjà sur l'équipe nationale? Ouais, l'équipe nationale, bien sûr, on continue à regarder, à suivre l'équipe nationale. Après cette CAN, voilà, c'est une CAN un petit peu, on va dire, un petit peu bizarre. Bon, ils ont de la chance, ils ont quand même des bons terrains, donc ils peuvent quand même s'exprimer à un minimum. Après, voilà, ça reste une CAN, hein, des conditions climatiques compliquées pour les joueurs. Après, voilà, on a tous connu ça malheureusement. Voilà, après le parcours de l'Algérie, malheureusement, une élimination précoce. Et voilà, rien d'autre à dire, hein. Ok, Hassan, on parlait avant que tu arrives des grosses surprises qu'il y a eu en fait, parce que l'Algérie, ça a été pour nous une énorme surprise, bien évidemment, mais pas que, parce qu'au final, la Tunisie s'est pas qualifiée, le Cameroun s'est pas qualifié. Là, on vient de voir en huitième, on a aussi perdu le Sénégal tenant du titre, on perd le Maroc, qui était un des grands favoris après sa demi-finale en Coupe du Monde, et ça continue. On a l'impression que cette CAN est la CAN de toutes les surprises. Est-ce que, messieurs, et là, je vais m'adresser à toi, Hassan, mais aussi aux deux chroniqueurs qui sont avec moi, est-ce que vous trouvez des similitudes sur les équipes qui sont sorties? Est-ce qu'il y a des particularités un peu qui coïncident? Bilal? Alors moi, il y a une chose que j'aimerais noter, c'est que c'est vrai qu'on dit souvent, très très souvent ces derniers temps, que l'Afrique a évolué, ou en tout cas les petites équipes ont évolué. C'est-à-dire que on dit que le niveau minimum, les minima, sont beaucoup plus élevés maintenant.
Alors ça, je pense que c'est une réalité qu'on sait, que tout le monde a constaté. Mais par contre, il y a autre chose. J'ai vraiment l'impression que chez les gros, le niveau a baissé. Ça, c'est une impression, attention. Mais j'ai vraiment l'impression que le niveau a baissé chez les gros. Notamment, on peut le voir hein, auprès de tous les supporters, de tous ceux qui suivent leur équipe nationale. Ils regrettent tous un peu les époques précédentes, alors que les équipes performent aujourd'hui avec des joueurs qui sont beaucoup plus hauts au niveau international ou en tout cas dans les clubs européens. Mais pour autant, en équipe nationale, il y a beaucoup plus de difficultés. Alors peut-être que l'envie de défendre le maillot, ou peut-être que on a un peu moins envie de se salir, je ne sais pas par quelle raison, il peut y en avoir plein et des différentes, mais voilà sur le constat. J'ai l'impression que ouais, les petites équipes ont augmenté, mais surtout les grandes ont baissé. Ok. En gros, pour résumer, tu parles aussi, tu pointes peut-être du doigt potentiellement un nivellement vers le bas, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément que les Exactement. petits qui deviennent meilleurs, mais aussi les gros qui sont peut-être un peu moins performants. C'est ça. D'accord? N'hésitez pas en tout cas en commentaire à nous donner vos impressions. Mehdi, je te donne la parole dans une seconde. Vas-y. Juste en commentaire, n'hésitez pas à nous donner vos impressions. Si vous avez peut-être souligné des similitudes que nous, on n'a pas vues ou qu'on ne va pas aborder, n'hésitez pas, on essayera de les mettre. En évidence. Mehdi, oui, excuse-moi, je t'ai coupé, dis-moi. Non, mais pas de souci. Juste pour revenir sur certains commentaires, et je suis entièrement d'accord avec eux. Pour moi, ce qu'il a manqué à beaucoup de ces équipes qu'on dit favorites, c'est cette grinta, c'est cette détermination, c'est cette envie. Et j'ai peut-être une réponse du pourquoi de ce manque de motivation. C'est que pour moi, une des plus belles CAN qu'on ait pu voir en termes de jeu, c'était celle en Égypte, c'était celle qu'on a gagnée. Pourquoi? Parce que c'est une CAN qui est intervenue en fin de saison, au mois de juin, juin-juillet. Et cette CAN, comme celle du Cameroun, qui est en plein milieu d'une saison, qui est en plein mois de janvier, où tu refais une préparation, où tu dois t'acclimater au climat, bien évidemment, africain. Et quand tu es un joueur européen, quand je dis européen, c'est qui joue dans un championnat européen, tu sais que tu as ton club qui t'attend. Tu sais que tu as potentiellement de la concurrence qui est arrivée pendant ton absence. Donc ça te met une certaine pression. Tu n'as pas envie de rentrer blessé. Donc peut-être que cette grinta et cette détermination, elle est beaucoup moins présente dans les grandes équipes qui ont des joueurs qui jouent en Europe que chez les petites équipes qui n'ont rien à perdre et qui vont tout donner parce que c'est leur compétition, c'est leur Coupe du Monde à eux. Ils ont une opportunité, ils ont une chance peut-être de se faire repérer aussi. Donc ils donnent tout ce qu'ils ont. C'est pour moi peut-être un élément de réponse. Eh bien, écoute, Mehdi, merci pour ces précisions parce que sincèrement, je dirais que je suis presque aligné avec ce que tu viens de dire. J'ai l'impression que tu es rentré dans ma tête et que tu viens de me vider de quelques paroles. Donc là-dessus, on est aligné. Dites-nous si vous êtes d'accord. Hassan, oh, bah tiens, Hassan déconnecté. Donc on va Il a attendre pas aimé qu'il. que tu... Je pense qu'il a pas aimé que tu sois d'accord avec Mehdi. Ouais, je crois. Il y a un truc, Mehdi, je pense que je vais dire que toi et moi, on n'est pas du tout sur On la n'est même pas ligne. d'accord. Mais bon, en attendant qu'il revienne. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis, Mehdi, je trouve, et je ne sais pas si vous allez être d'accord avec nous pour le coup, mais c'est vrai qu'on a quand même dans cette compétition, on a l'impression que certaines équipes, alors je ne sais pas si ça par manque de confiance ou pas, vous allez me le dire peut-être, elles se préparent plus pour des huitièmes de finale, voire des quarts de finale, en pensant peut-être que les matchs de poule ne seront qu'une formalité. Et au final, ils tombent en face, comme tu disais, Mehdi, contre des équipes qui sont composées de joueurs qui jouent peut-être les plus gros matchs de leur carrière et qui sont là pour se montrer pendant que leurs adversaires ont peut-être peur de se blesser, il y a des retours potentiels. On rappelle quand même aux auditeurs, et après je vous laisse la parole, messieurs, on leur rappelle quand même que dans les grosses équipes, il y a des gens qui sont encore engagés en Champions League qui joueront en février, en Europa League, en Conference League. Et il y a peut-être des joueurs qui ont beaucoup plus à perdre à la CAN qu'à y gagner, contrairement aux petits. On a parlé des gros. Maintenant, est-ce qu'il y a des similitudes par rapport aux petites équipes? J'aime pas ce mot-là parce qu'on respecte tout le monde, bien évidemment. Mais les équipes surprises, est-ce qu'il y a des similitudes? Est-ce que vous avez trouvé, messieurs les chroniqueurs, et pareil pour les auditeurs, est-ce que vous avez trouvé certaines similitudes, Bilal? Similitude, c'est-à-dire en fait par rapport à quel niveau? Bah, je ne sais pas, est-ce que c'est des équipes qui ont entamé les matchs un peu pareil, pour être concret, hein, parce que l'envie, tout ça reste très très abstrait, mais est-ce qu'on peut avoir un plan large, s'il vous plaît? Un plan large, Hamza, s'il te plaît. Mais Pardon. beaucoup plus, voilà, beaucoup plus
peut-être des équipes qui ont été en bloc, bloc bas, bloc médian, qui ont attendu, qui ont joué en contre. Est-ce que dans les similitudes, et aidez-moi aussi dans les commentaires, est-ce qu'on n'a pas, par exemple, des équipes qui ont misé, contrairement au passé, sur des joueurs locaux en tant qu'entraîneurs? Je ne sais pas, c'est à vous de me dire. Il y a un début de réponse que je peux Il y a apporter. Hamza qui est revenu, on peut l'inviter. Voilà. Salam alaikum. Avec Hamza, plaisir. tu nous as quittés, on a joué à 10 pendant un moment, tu es revenu, heureusement, ça va, tout va bien. Désolé. N'y a pas de souci. Si tu C'est peux gentil. juste retourner le téléphone, comme ça on te voit en plan large. On est en train, je ne sais pas si tu nous entendais, mais on est en train de parler peut-être des similitudes qu'il y a eu sur les petites, enfin, les équipes surprises. Est-ce qu'il y a des similitudes? Et Bilal allait prendre la parole. Après, je reviens vers toi, Hassan, parce que j'aimerais bien te poser une question. Pas de souci. D'ailleurs, j'ai juste. Bon, ça, c'est juste un commentaire. Hein. Hassan, j'espère que tu le prendras pas comme une critique. Subhanallah, c'est quand on te voit, j'ai toujours l'image du joueur de la vingtaine qui est arrivé en sélection en 2009, qui parlait en caméra. C'est, pour moi, tu n'as pas grandi. Pour moi, toujours le petit jeune de 20 ans. Ouais. Vrai, non, il n'y a pas de souci. Ça fait plaisir, au contraire, c'est une bonne chose. ouais, par rapport aux petites équipes qui. Le jeu des petites équipes, le jeu a changé aujourd'hui avec un jeu beaucoup plus direct. On le voit en Europe. En général, l'Europe donne le tempo du jeu par rapport pour le reste du monde. Et on voit que ces petites équipes, elles attendent bah, bien en bloc derrière pour ensuite avoir un jeu très très rapide pour contrer très rapidement et se projeter très vite vers l'avant. Il y en a qui savent le faire mieux que d'autres, d'autres moins bien. Mais le fait d'avoir beaucoup de joueurs et beaucoup de choix avec beaucoup de qualité, j'ai l'impression que justement en Afrique, maintenant, ça crée plus de problèmes dans les mains du coach qu'autre chose. J'ai l'impression qu'avoir très peu de cartes en main, ça facilite les coachs. Peut-être. Hein. En tout cas, on voit bien que des équipes comme le Cap-Vert, comme bah, même la Mauritanie, hein, qui n'est peut-être pas celle qui a impressionné le plus au niveau du football, mais on a vu quand même des phases de jeu qui y ressemblaient. On a même vu l'Angola, d'ailleurs, si on se rappelle du premier match contre l'Angola, qui se projetait très très vite vers l'avant. Après, la finition, c'est autre chose. Mais en tout cas, dans l'axe du jeu, ouais, vraiment des équipes qui étaient sur des basiques. Basiques, bloc bas et se projeter très très vite vers l'avant en contre en très très peu de passes. Merci Bilal. Dis-moi Hassan, je voulais savoir toi, est-ce que déjà, je vais te poser une question très directe. Je connais moi plus ou moins la réponse, mais est-ce que tout s'explique dans le foot? On essaye Non, toujours loin de de là. commenter, d'analyser. Est-ce que tout s'explique? Non, non, vraiment pas. Vraiment Voilà. pas. Il n'y a Donc pas si on part, de. C'est pas une science exacte, tout le monde le sait. Hein. ok, on va partir de ce principe que tout s'explique pas. Quelle serait pour toi Hassan, et ça n'engage que toi bien évidemment, l'explication la plus probable de peut-être de cette redistribution de cartes? On essaye de comprendre, on en discute tous les jours, on est d'accord, pas d'accord sur certains points. On aimerait avoir ton point de vue. Comment les gros, autant de gros, j'ai envie de te dire, sont passés à la trappe en ayant des exemples la veille et l'avant-veille, pendant que d'autres nations un peu plus, on va dire, surprises, arrivent à se mettre en avant. Est-ce que toi, tu as une explication ou un semblant d'explication? Bah, je vous rejoins un petit peu quand on dit que les petites équipes, voilà, elles ont très peu de cartes à jouer et elles la jouent à fond. Donc ça aussi, c'est une chose importante. Après, les grosses nations, ils ont des gros joueurs qui jouent dans des gros clubs, qui jouent en Europe. Donc il y a la plupart des joueurs qui jouent en Europe. Et le climat, je pense qu'il fait beaucoup. C'est vrai que là, on voit que l'Algérie a été éliminée alors qu'ils ont de très bons joueurs, le Maroc aussi. La Côte d'Ivoire qui sont toujours en lice, mais qui ont perdu 4-0 contre la Guinée, alors qu'on voit la plupart des joueurs, allez, on va dire peut-être 80% des joueurs qui évoluent en Europe et dans des gros clubs. Voilà, moi je pense sincèrement, le fait de l'avoir vécu en Angola en 2009, le climat y est pour beaucoup. C'est vrai que de D'accord. l'extérieur, quand on est supporter, on aujourd'hui qui a arrêté le foot. Et lorsque je regarde les matchs de la CAN, ben, c'est vrai que je suis critique, mais j'essaye d'avoir un petit. Je freine un peu parce que j'ai vécu et je sais ce qu'ils ont pu vivre sur le terrain. Et je pense que ça, c'est un gros.
c'est vraiment quelque chose qui peut leur faire beaucoup de mal sur le terrain. Voilà, des joueurs qui jouent en Europe, qui sont habitués à un climat normal, et puis ils se retrouvent là-bas avec un taux d'humidité qui est très élevé. Et je vous promets que c'est compliqué de jouer avec ça. Après, c'est les autres équipes aussi, hein, ont le climat, on va tous dire la même chose. Mais voilà, les grosses équipes ont beaucoup de joueurs qui jouent en Europe. Et je pense que ça peut aussi être une des choses qui fait que les grosses équipes se font éliminer peut-être avant. J'ai une question, Hassan. Vas-y, Ouais, justement, par rapport à ce qu'il dit, on se rappelle de 2010, la CAN 2010, où l'Algérie joue le Malawi en match d'ouverture, et on prend 3-0 là-bas. Et c'était la grosse surprise, parce que vas-y. l'Algérie, en 2010, c'était la grosse équipe. Justement, tu as des éléments de réponse par rapport à ça, petite équipe plus faible, température. Qu'est-ce qui s'est passé et comment tu peux nous raconter après, comment rebondir après un match comme ça, sur une compétition? Ben voilà, c'est ce qui s'est passé en Angola, c'est ce que je disais. On joue le premier match contre le Malawi. Sincèrement, on pensait qu'il faisait chaud, etc. On savait que ça allait être compliqué. Mais on se disait que techniquement, on allait être au-dessus et que ça allait passer, quoi. Ça reste le Malawi, on est l'Algérie, on avait quand même une bonne équipe avec de bons joueurs. Et on joue contre le Malawi. Et sincèrement, on aurait dit que le Malawi, c'était le Barcelone ce jour-là. Non, mais sincèrement, on en rigole, mais sur le terrain, c'était vraiment, vraiment, Ah ouais, vraiment très c'est compliqué, hein. exactement ce que nous a dit Karim, hein, je crois, il me semble, ou c'était Nadir, un des deux, je sais plus, c'était Nadir, je crois, hein, Ouais. qui nous dit Bah, exactement la même chose. voilà, en fait, lorsqu'on est sur le terrain, on est impuissant, en fait. On les voit se déplacer, courir, et alors que nous, Aussi. on a beaucoup de difficultés à respirer, voilà, on est vraiment dans un autre monde. Et c'est pour ça que je vous dis, voilà, le Malawi, c'était une équipe très faible, mais pour nous, c'était Barcelone en face de nous, sincèrement. On a couru, on a essayé, on a fait les efforts, même si on avait envie. On peut parler de oui, la patrie nationaliste, il faut jouer pour son pays, etc. Oui, il n'y a aucun souci, on aime notre pays, on se donne à fond, mais il y a des fois, c'est plus fort que nous, sincèrement. Et après, voilà, après une défaite comme ça, elle nous a fait du bien, on va dire, cette défaite, parce que ça nous remet dedans, la tête sur les épaules, il faut repartir, voilà, il faut se redonner à fond, il faut se reconcentrer. Et voilà, on a réussi à remettre les choses au clair, mais ce n'était pas facile. En plus, on jouait à 14h, 15h, comme aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc voilà, c'est très compliqué. Bilal, rapidement, tu vas Ouais, très passer un petit rapidement. salam avant, s'il te plaît, n'oublie pas ton ami. Oui, bien évidemment, un grand salam à qui? Tout le monde le sait, hein, un grand salam. Ayasser. Ah non, moi j'allais parler de Ah. Monsieur Samir. Pourquoi tu pensais à qui, toi? À Mais Monsieur bien Samir? sûr, moi je pense à Ayasser qui est à Abidjan, tu l'as déjà oublié. C'est ça, non? Yasser, il est là, Ah, il est dans le chat. Ayasser, il est là, mon ami. Moi, j'étais pas avec toi et je suis au courant, mais Ah, c'est dingue mashallah, mais ça. moi je suis pas, moi je suis en Tu train d'écouter mérites presque une mise à l'écart. Tu la mérites presque un carton jaune. mon frère, tu me parles de tu me parles des commentaires, là je suis désolé, là. Non, les commentaires, Samir, ça sera plus tard. Samir, je m'en occupe. Non. Bien sûr, Yasser qui est un expatrié algérien dans le génie civil, si je me rappelle bien, depuis 2 ans et demi en Côte d'Ivoire à Abidjan. Mashallah, on l'a croisé là-bas. Il s'est embrouillé avec la famille d'un joueur la première fois. Il était au match contre le Burkina Faso. Et subhanallah, après, on s'est rencontré un peu comme ça et on s'est retrouvé à Abidjan. Et il nous a emmené un peu partout. Il nous a fait découvrir, mashallah. Donc, un grand, grand salam à Yasser et voilà, très, très présent pour la diaspora à Abidjan, mashallah. Ok, J'avais donc on juste a une fait question. J'avais juste une question rapidement, très vas-y. rapide pour Hassan. Hassan, juste une question parce que bon, il y a ceux qui jouent au foot et il y a ceux qui le regardent. Et dire qu'on est fatigué, pour certains, ça peut paraître très compliqué à comprendre. On se dit comment un joueur de foot aussi entraîné, même peut-être plus vous, parce que vous jouez à un niveau encore plus élevé, comment vous pouvez être fatigué face à des joueurs qui peut-être des fois s'entraînent même pas autant que vous dans une semaine complète, et pas avec la même intensité. Par quoi Ça ça, se qu'est-ce traduit. que ça veut dire? Ouais, ça se traduit d'être autant fatigué sur un terrain quand on joue dans des conditions qui ne sont pas celles dont on a l'habitude. Ben, en fait, le problème, c'est que nous, voilà, comme je l'ai dit, on est dans un climat européen. Donc, ça veut dire qu'ici, il fait quand même assez frais. En plus, lorsqu'on va en Coupe d'Afrique, ici, il fait déjà moins 5 degrés. Et lorsqu'on va là-bas, il fait 40 degrés avec un taux d'humidité élevé.
et on joue contre des équipes qui, eux, ont l'habitude, les équipes africaines, hein, avec, par exemple, le Malawi, il n'y a aucun joueur qui joue en Europe. Il y a 100% des joueurs qui jouent dans leur pays et ce sont des locaux. Donc, ils sont habitués depuis tout jeune à jouer à 14 heures sous 40 degrés et un taux d'humidité élevé. Donc voilà, c'est pour ça que quand on parle de fatigue, bien sûr qu'on est bien préparé, on travaille bien dans nos clubs, physiquement, etc. Mais les conditions sont totalement différentes lorsqu'on arrive en Afrique. Et justement, moi j'ai une question par rapport au fait, tu passes tes diplômes d'entraîneur, enfin tu as commencé à passer tes diplômes d'entraîneur. Imaginons demain tu te retrouves à la tête de la sélection et qu'il y a une compétition, donc il y a une CAN dans un pays justement avec un taux d'humidité et de la chaleur. Comment toi tu vas préparer, avec ton expérience, comment tu vas préparer l'équipe justement à s'acclimater et ne pas tomber dans ce piège du premier voire du deuxième match à les voir souffrir au bout de 40 minutes de jeu? Bah, il faudrait partir là-bas 2 semaines avant et faire une préparation là-bas en avance pour que les corps puissent s'habituer à cette chaleur. Tout D'accord. simplement. Après, nous, je me rappelle, quand on a été en, je crois, c'était en Coupe du Monde, on avait fait la préparation en Suisse, alors qu'il faisait froid là-bas. Non, en Allemagne, désolé, en Allemagne, il faisait super froid. Eh Et oui, on je me s'est souviens. retrouvé en Coupe du Monde, il faisait super chaud, etc. Donc voilà, ce n'était pas forcément la meilleure des préparations. Très bien. Très rapide, Aden, toujours sur ce point-là. Est-ce que Ouais. 10 jours, est-ce que 10 jours, même si les conditions sont réunies, est-ce que 10 jours, tu trouves que c'est suffisant? Moi, je pense que 10 jours, 2 semaines, entre 10 jours et 2 semaines, je pense que le corps, Ok. il a le temps de s'habituer même. Et je vais pas être sûr à 100%, mais je pense que ça y fait, ouais, ça y ferait, ça peut améliorer la condition d'un joueur pour jouer en Afrique, je pense, hein. Ça peut aider en tout cas. Très bien, Okay. merci, merci Hassan. Donc là, on a fait un petit peu le bilan rapide des équipes qui étaient là. Maintenant, la question que se posent tous les Algériens, c'est qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant? Voilà. Là, on a Belmadi qui s'en va ou qui est viré. On ne sait pas trop. Toi, pour toi, Hassan, quelle est ton impression sur la décision qu'a pris le président de la Fédé? Bah écoutez, c'est difficile à dire, hein. Nous, on est joueurs, on sait ce que c'est. C'est un métier très compliqué. Entraîneur, c'est un autre métier que joueur, hein. C'est totalement différent, avec énormément de responsabilités. Maintenant, malheureusement pour Jamel, il a effectué un super travail. Je pense que voilà, on ne peut que le remercier du travail qu'il a effectué en gagnant cette CAN en 2019. Après, un entraîneur, c'est comme ça. S'il n'y a pas de résultat, ben, malheureusement, il faut quitter son poste et il faut laisser la place à une autre personne. Voilà, il y a eu un premier revers, un deuxième et un troisième. Donc voilà, je pense qu'il a bien fait sur le premier échec d'attendre, le deuxième échec avec la Coupe du Monde, le troisième échec maintenant en Coupe d'Afrique, une élimination, comme je disais, précoce. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de renouveau et qu'il fait bien de quitter l'équipe nationale. Je pense qu'il a compris aussi que voilà, ça, on arrive au bout d'un cycle et qu'il va falloir repartir sur quelque chose de nouveau. Est-ce que, messieurs les chroniqueurs, je m'adresse à Mehdi, est-ce qu'on avait des signes un peu comme ça? Alors, vous me connaissez. J'aime pas du tout, moi, rentrer dans ce genre de truc de je savais pas, non, non. Mais est-ce que il y avait comme ça, parce qu'il y a des chroniqueurs qui l'ont dit à juste titre, d'ailleurs, et d'ailleurs, les résultats leur donnent raison. Est-ce qu'il n'y avait pas comme ça, des petits indices qui laissaient presque présager à ce résultat, à cette désillusion. Moi, je l'avais vu venir un petit peu. On en avait parlé dans une émission, je crois que c'était au mois d'octobre, où j'avais dit, je la sens pas cette Coupe d'Afrique. Et puis quand tu vois qu'après, il reprend. Donc, j'avais fait un comparatif entre la composition de l'équipe de 2019, la composition de l'équipe 2021 au Cameroun et celle en Côte d'Ivoire. En fait, il avait changé que 4 joueurs entre 2019 et 2023. Donc, nous, on pensait qu'il allait rajeunir son effectif, mais en fait, on repartait quasiment avec les mêmes joueurs. Si ce n'était Ben Lamri
voilà, qui a arrêté, plus ou moins arrêté. Mboulahi, pareil. Donc, en fait, on avait la même composante, sauf qu'on avait la moitié de l'effectif qui manquait Mehdi, de jeu, ouais, de temps de jeu. Mehdi, c'est intéressant ce que tu dis. Je vais te poser une question par rapport exactement à ce que tu es en train de dire. Est-ce que tu penses, pour le coup, que c'était prémédité? Est-ce que tu penses qu'il a juste donné l'illusion de changer d'effectif ou est-ce qu'il s'est rendu compte qu'au final, il faisait peut-être mieux avec les anciens qu'avec le nouveau? De ton point de vue, après, je te donne la parole, Bilette. De mon point de vue, pour moi, Belmadi, à un moment donné, il s'est dit, bon, je pense que il y avait une pression médiatique, une pression du public, du peuple. Il s'est dit, je vais ramener de la fraîcheur. Donc, il est parti prospecter, ils nous ont ramené plein de petites pépites. Tout le monde était content. Et au final, au bout de quelques mois, je pense que c'est son fort intérieur, Belmadi. Tout le monde le dit, il est têtu, il a son ego. Il se dit quoi? Il dit, non, mais moi, ma base, c'est celle-là. Moi, ma base, c'est mon effectif, c'est celui de 2019. J'ai gagné avec celui-là. Je pense qu'on peut encore faire des choses avec. Sauf que les joueurs n'étaient physiquement, ils étaient plus là. C'était plus les mêmes. 5 ans plus tard, c'était plus les mêmes joueurs. Toi, Hassan, qui a passé tes diplômes d'entraîneur et qui a surtout l'expérience du terrain, qu'est-ce que tu en penses de ça? On avait, alors pour te remettre un petit peu dans le contexte des débats qu'on a eus, on reprochait à Belmadi de tourner trop souvent avec les mêmes joueurs. Il y a eu la désillusion à la première CAN, enfin la CAN de 2021, la Coupe du Monde, la non-qualification. On voit beaucoup de nouveaux joueurs qui arrivent. On se dit, tiens, enfin, il va essayer de nouvelles choses. Et au final, on finit par avoir du réchauffé presque. Toi, Hassan Yebda, avec l'expérience que tu as, est-ce que tu penses que c'était prémédité ou est-ce que tu penses que c'est un choix qu'il a fait parce qu'il n'avait pas d'autre choix à faire? Non, je pense pas. Je pense qu'il avait peut-être d'autres choix à faire. Après, c'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un métier où il faut prendre ses responsabilités. Il a fait sa liste, en connaissance de cause, il avait beaucoup d'autres options, je pense. Après, il est peut-être resté bloqué sur 2019, comme il le disait. C'est vrai que ça avait fonctionné en 2019, et puis il a peut-être forcé avec son effectif, malheureusement. Mais c'est comme je le disais, je le répète encore une fois, c'est des choix. Après, ils sont bons. S'il avait gagné, tout le monde aurait dit. Oui, Jamel, c'est le meilleur, c'est le plus fort, c'est lui, il faut qu'il ressigne pendant 10 ans. Malheureusement, il a perdu et voilà, c'est comme ça, c'est le métier d'entraîneur. Il y a un facteur aussi à prendre en considération, c'est que autant tu as les mêmes joueurs, mais aussi tu as la même tactique. Et quand tu analyses un petit peu les conférences de presse, enfin les zones mixtes ou les conférences de presse des autres coachs, tu les écoutes et eux ils te disent en fait, Belmadi, on sait le lire. Comme peut-être hier l'Afrique du Sud où la conférence de presse de Bross, elle était incroyable, où il dit le Maroc, j'ai su comment les contenir au milieu de terrain. On n'était pas pressé, on savait que ça allait à un moment donné, on allait avoir des occasions. Ils ont réussi tactiquement à les bloquer. Et nous, en fait, depuis 2019, on a quasiment le même 4-3-3. Donc, tu es l'entraîneur de la Mauritanie, tu es l'entraîneur de l'Angola, tu te dis quoi? Il a les mêmes joueurs, il a la même tactique. Si je suis pas bête, je sais, je vais savoir la manier et puis au moins gratter un match nul. Et pourquoi pas aller chercher un petit 1-0 sur un coup de pied arrêté ou un penalty, et c'est ce qui s'est exactement passé. Si Bilal, je peux dis-moi. rajouter, si je peux me permettre de rajouter quelque chose d'important, c'est que déjà, juste le poste de sélectionneur, en tout cas même le poste de coach en général, il est extrêmement dur. Il est extrêmement dur parce que même en ayant les bonnes idées, même en tentant des choses qui peuvent avoir du sens, comme vous l'avez dit au début, on ne contrôle pas tout dans le football. Donc malheureusement, il y a des bons coachs qui ont tenté on va dire, des bonnes choses au bon moment, qui n'ont pas eu les résultats escomptés et qu'on a considérés comme des gens qui ont échoué. Alors qu'en réalité, c'est seulement, comme t'aimes le dire, Adlen, des fois, ça se joue à 1 minute, à 30 secondes, à une passe, à des détails incroyables. Donc déjà, juste le fait de se concentrer sur son poste de coach, ça demande beaucoup de concentration et on n'est même pas sûr de réussir. Là où il y a eu un gros problème avec Jamel Belmadi, je pense, et j'en suis même persuadé, c'est qu'il a mis beaucoup trop d'énergie dans le dépassement de fonction. Alors, est-ce que c'était justifié ou non? Est-ce qu'il était là pour l'équipe nationale? Je pense que oui, au début, quand il s'attaque aux médias, je pense qu'il veut le bien pour l'équipe d'Algérie et qu'il veut que l'environnement autour de cette sélection se passe mieux. Donc,
son intention, je pense qu'à la base, elle est bonne. Il y a aussi par rapport à, il y a tout ce qui se passe par rapport à la fédération, tout ce qu'il a pointé du doigt au début de son mandat. Je pense que c'est justifié. Après, je pense qu'il s'est vraiment perdu dedans. Ensuite, si on revient plus au sportif, fin 2021, avant même 2022, il y a on sent tous, qu'au niveau du jeu, il commence à y avoir une pauvreté. Et on sent même une obsolescence qui commence à arriver par rapport à sa tactique et à sa stratégie. Cependant, il y a une chose, c'est qu'il y a les résultats qui parlent. Et en fait, il commence à se mettre à huis clos, ça commence à partir de là. Il commence à se fermer à toutes les critiques et refuse de se remettre en question et de remettre en question sa tactique, etc. Et tous ses choix. 2022, on chute une première fois. Le souci, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'à partir de 2022 et de mars 2022, ce qu'il essaye de faire, c'est de retrouver la même dynamique que tout ce qui s'est passé avant, alors qu'en réalité, il y avait déjà une obsolescence qui était déjà en place. Et je pense que c'est là le plus gros souci qu'a rencontré Belmadi et qui arrive sûrement l'une des raisons de ce résultat aujourd'hui. Merci Bilal. Hassan, je vais te poser une question très franche. On a l'habitude, les auditeurs nous disent souvent, ouais, les anciens pros, un peu langue de bois, ils ne se mouillent pas, on connaît le métier, vous avez eu, il n'y a pas de problème. Moi, je te pose très franchement la question. Est-ce que cette équipe nationale algérienne t'a séduit? Non. Non, elle ne m'a pas séduit. Je parle lors de cette CAN, on est d'accord. Oui, bien sûr. Non, je pense qu'il n'y a personne qui peut nous dire que cette équipe nous a séduit. Même s'il y a de grands joueurs, on le répète, il y a même des amis à moi que j'apprécie énormément, comme Sofiane Feghouli ou Islam ou Riyad, etc. Mais c'est vrai que lors de cette CAN, malheureusement, ils n'ont pas été, au niveau. Après, voilà, ça arrive, c'est comme ça. Mais c'est sûr que pendant cette CAN, c'était pas la joie quoi, sur le terrain. Est-ce que tu les as eu au téléphone depuis? Est-ce que tu n'as pas pu parler avec eux? C'est dommage, on aurait bien aimé avoir un peu leur point de vue, ces joueurs d'expérience qui ont un peu déçu. On avait beaucoup d'espérance aussi, peut-être pour recadrer le groupe. Ok, maintenant, on a le départ de Belmadi. A priori, c'est acté ou pas d'ailleurs, j'ai envie de dire, parce que cette histoire, elle est rocambolesque. C'est-à-dire que non seulement on est un petit peu ridicule sur le terrain, et puis là, même sur une sortie qui devrait se faire dans le calme le plus possible, avec des éloges, merci, au revoir, ça coince. Hassan, donne-nous ton impression par rapport à ça, quelle image on est en train de donner au monde, le départ de Belmadi. Ouais, c'est vrai que c'est une situation très, très compliquée. C'est vrai que ça s'est mal passé lors de cette Coupe d'Afrique, avec cette élimination. Et aujourd'hui, il y a un gros débat sur la façon dont Jamel se comporte. Maintenant, oui, c'est sûr qu'on donne une mauvaise image pour tous les clubs, toutes les nations, surtout étrangères, qui nous regardent. Hein, parce que voilà, on est quand même l'équipe d'Algérie et on est quand même assez respecté. Ça donne une mauvaise image, mais c'est comme ça. Après, je pense qu'il doit avoir aussi de son côté ses problèmes à lui, les problèmes qu'il a pu rencontrer aussi depuis le début de son mandat avec la fédération. On n'a plus le son, Hassan. On n'a plus le son. Non. On a l'image, on n'a pas le son. Non, on ne t'entend pas, Hassan. On a l'image, on n'a pas le son. Je ne sais pas d'où ça vient. Mehdi, en quelques mots, avant que Hassan règle son micro. Hassan, si tu veux te déconnecter, te reconnecter, je ne sais pas, on ne t'entend pas. En tout cas, dès qu'on t'entend. Mehdi, en quelques mots, cette sortie de Belmadi, en quelques mots, s'il te plaît. Cette sortie, je parle bien de sortie, porte de sortie. Hein. Enfin, je ne parle pas de déclaration. Porte de sortie, bah écoute, il est fidèle à son image. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a son ego, qui a sa fierté. Il nous reparlait toujours à la dernière conférence de presse après la Mauritanie. C'était « N'oubliez pas ce que j'ai fait, je vous ai ramené une CAN ». Donc il dit « Il y a deux entraîneurs algériens qui ont ramené il y a eu une CAN ». Dont une c'était moi, donc n'oubliez pas ça. Donc ça veut dire qu'avec sa CAN, on doit tout oublier, on doit faire abstraction de ces mauvais résultats. Pour en revenir à ce que disait juste tout à l'heure Bilal, il y avait des signes avant-coureurs et notamment les qualifications Coupe d'Afrique où on a souffert. Moi j'étais à deux matchs, j'ai fait Tanzanie et Niger en Algérie.
On a souffert à battre le Niger 2-1, dernière minute, et le Tanzanie, on fait 0-0. Donc tu te dis déjà, ces équipes-là, à l'époque, on leur mettait 4-5-0 tranquille à la maison, et là, on a des difficultés. Donc voilà, Rapidement. c'était prévisible. Je te laisse Hassan, prendre. tu es de retour parmi nous? Ouais, je suis désolé. Ouais, il n'y a Oui. aucun souci, vas-y, je te laisse finir. Donc, ce que je disais sur Jamel, c'est que voilà, il y a beaucoup de problèmes avec la fédération. Lui, il a un historique avec la fédération depuis son mandat. Et je pense qu'il veut plus régler ses problèmes vis-à-vis de la fédération que vis-à-vis du peuple. Voilà, Jamel, ce qu'il a fait, c'est on ne peut pas dire qu'il ait fait exprès de perdre. Je pense pas qu'il avait envie de perdre. Lui, lorsqu'il est venu en sélection, la seule chose qu'il voulait, c'était le bien de la sélection, le bien pour le pays. Maintenant, voilà, je pense qu'il est dans une phase où il a connu une déception énorme et il est en train de se défouler contre la fédération parce que voilà, il doit avoir certainement beaucoup de choses à leur reprocher et je pense que là, c'est un combat personnel. Après, ça reste mon avis. Mais est-ce qu'en faisant ça, il dessert pas justement le peuple? Il se dit souvent porte-parole de l'Algérie, il parle des Moudjahidines, il parle du FLN, il parle des Makhloufi, il parle de ci, il parle de ça. Et là, il nous prend un peu en otage quelque part, Hassan, non? Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai vu dans certains articles. Voilà, une prise d'otage, je vais pas aller jusque-là, mais c'est vrai que pour le bien de la sélection, ce serait bien qu'on puisse être fixé, de savoir s'il reste déjà, et s'il y a un nouvel entraîneur qui doit être élu, au moins qu'il puisse commencer à travailler dès maintenant et que pour le prochain stage, il soit dispo à 100% et avec ses idées déjà bien réfléchies. Ouais, parce que Hassan, on va quand même rappeler, il a encore besoin de le rappeler et rajouter même des éléments à les chroniqueurs, n'hésitez pas, même les auditeurs. On est d'accord que il a eu un stage fait sur mesure comme il a demandé. Il a eu l'hôtel qu'il voulait à Bouaké rénové aux frais de la Fédé ou de ce qu'on sait, machin. Enfin, je veux dire, c'est pas un sélectionneur à qui on a mis beaucoup de bâtons dans les roues, contrairement à d'autres. Et là, on voit l'échec. On se dit, bon, elle m'a dit, on va pas oublier ce que tu as fait, Jamel, parce qu'on te doit quand même beaucoup, mais sors par la grande porte. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Hassan, toi, tu as été joueur, tu as des diplômes, mais quelle sortie manquée, en fait? Est-ce qu'on va pas se rappeler beaucoup plus de ça, quelque part, à un moment donné, que même les heures de gloire? Non, je pense aujourd'hui, oui, on y prête beaucoup d'attention parce que on est sur le fait, en fait. Il vient d'être éliminé de la Coupe d'Afrique, tout le monde est déçu, donc tout le monde lui tombe dessus. Après, voilà, il y a cette histoire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais je vous promets que d'ici 1 an, 2 ans, ou même 10 ans, 15 ans, on se rappellera de sa victoire en 2019 à la CAN que de la manière dont il sera parti de la sélection. Après, Ok, dis-moi. pour moi, voilà, Jamel, ça reste quand même un très bon entraîneur. Et ça ne veut pas dire qu'il parte maintenant, qu'il ne puisse pas revenir d'ici quelques années. On ne sait jamais. Très, oui, Donc, exactement, pourquoi pas, c'est vrai. Il n'y a rien, il n'y a rien. vaut mieux. Voilà, c'est vrai qu'il vaut mieux partir par la grande porte, sortir par la grande porte, que sortir par la petite porte et après revenir plus tard et devoir s'expliquer malheureusement. Après, je pense que c'est la déception qui l'a fait agir comme ça. Il y a eu c'est un sanguin, Belmadi. Donc, je pense que Ouais, mais dans un les. moment pareil, Mehdi, on peut comprendre ça pour une personne lambda, nous tous, moi-même, toi, voilà. On est sanguin, d'accord. Mais là, quand même, tu es sélectionneur, tu as un peu de bouteille, ça fait 6 ans, 7 ans, tu as un petit peu de bouteille, tu sais, en plus, tu es dans la ligne de mire de tout le monde. Mais même pas qu'en Algérie, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire que Oh, Jamel, c'est beau. Jamel, il a agacé le monde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand même, Jamel, c'est quelqu'un quand même d'intelligent. Il doit quand même voir qu'à un moment donné, il y a des choses. Voilà, on essaye de. Peut-être en coulisses, on fait certaines choses, mais au moins, on se fait bonne figure. Il y a beaucoup de sélectionneurs qui le font, même durant cette CAN. On sait très bien leurs discours qui, voilà, ils ont des discours, et à côté, on sait très bien qu'ils ne pensent pas forcément ce qu'ils disent. Enfin, on le suppose, on ne va pas non plus. Maintenant, je vais poser la question au chroniqueur, et après, Hassan, tu nous donneras ton avis là-dessus aussi.
Est-ce que vous pensez que c'était prémédité? Est-ce que vous pensez que Saadi, quand il a eu son nouveau mandat, quelque part, Jamel ne faisait pas forcément partie de ses plans et que c'est au final peut-être bien tombé? Alors, comme on dit, on ne maîtrise pas tout, on n'est pas dans tous les bruits de couloir, on ne sait pas ce que les gens pensent réellement, ce qu'ils se disent, etc. Par contre, il y a des éléments de réponse qui peuvent nous mettre sur des pistes. Déjà, comme je l'avais rappelé lundi, il y a quand même un Raorawa qui est derrière Walid Saadi, qui est son plus grand soutien. Et on sait très bien que son clan est un clan très puissant. D'ailleurs, c'était celui qui était présent à la présidence à ce moment-là, quand Hassan Touati était. Et malheureusement, pour Bah d'ailleurs, l'Algérie, Hassan, tu l'as connu, toi? ouais. Tu l'as connu? Qui Walid Saadi? Oui. Ouais, on Ah l'a oui, connu. c'est Donc vrai que... tu Ah crois. oui. Bah bien sûr, mais bien sûr qu'il l'a connu. Donc tu me Oui, diras bah oui. peut-être quelques mots sur le profil. Vas-y, Merci. je te laisse terminer. S'il te plaît, rapidement, Bilal, comme ça, on va pouvoir partager pas mal d'idées. D'accord, oui, bah pour finir très très rapidement, on sait que tout le monde ne s'aime pas. Ce serait vivre dans un monde de bisounours, ce serait un monde utopique. Et on sait très bien que dans les postes à pouvoir, il y a toujours des clans, il y a des gens qui s'apprécient et d'autres moins. Et bien évidemment, bah des fois on essaye de faire tomber certaines têtes pour travailler entre soi. On sait très bien, on le sait depuis un petit moment que ouais, Djamel Belmadi n'était pas en ordre de sainteté et qu'à la moindre faille, ils avaient un malin plaisir de le faire quitter son poste. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui et je pense que là, ce qu'on est en train de voir, c'est surtout un règlement de compte entre deux parties plutôt qu'un méchant, un gentil ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Mehdi, en quelques mots, s'il te plaît? Est-ce que tu penses que ça dit quand il prend ses fonctions? Belmadi, si on peut s'en séparer, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Ah, on ne t'entend plus, Mehdi. Voilà. Attends, voilà, c'est bon, vas-y. Ce qui peut être gênant pour eux, je pense, à l'arrivée de Saadi, c'est de voir le contrat qu'il a eu, Belmadi. C'est le septième plus gros salaire des sélectionneurs au monde. Donc on est à plus de 200 000 euros, avec d'autres primes derrière via les sponsors. Donc ils se disent peut-être que voilà, c'est pas la meilleure des solutions d'avoir un salaire aussi important pour le sélectionneur de l'Algérie. Mais je pense qu'ils ne l'ont pas prévu. Pourquoi? Parce que s'ils l'avaient prévu et anticipé, on n'en serait pas aujourd'hui à devoir jongler à qui on va prendre. Il n'y a personne de dispo. Rien n'a été, pour moi, rien n'a été prémédité parce que sinon, on aurait déjà un entraîneur prêt à signer pour la sélection. Alors, Mehdi, Et je pourquoi pense. ce tweet précipité du président de la Fédé hein, qui prend même pas le temps? Parce que La Djamel dit en pression. conférence, on en parlera jeudi. Tu penses? À mon avis, il a dû recevoir deux coups de téléphone d'Alger et on lui a dit, écoute, ça y est, on a été ridiculisé. Il faut arrêter ici parce que, en termes de jeu, en termes d'image, en termes de prestations, on n'a pas été à la hauteur du tout. Donc, on a été ridicule, on a été la risée. Hein, les gens se sont moqués. Donc, il faut Et l'assumer. Et je la pense que bousculade, plusieurs, Mehdi, à la sortie de. à la sortie du stade, on a eu une bousculade entre les supporters, les médias et Saadi. Il a dû rentrer escorté dans l'hôtel. Tout le monde attendait les joueurs et notamment Belmadi, qu'on n'a jamais vu, puisque les militaires ont poussé tout le monde dehors. Mais il y avait une vraie pression. Donc je pense qu'il s'est dit, voilà, c'est plus possible, on ne peut pas en rester là. Avec Belmadi, il peut plus continuer parce que Belmadi, c'est quoi? C'est 2026. C'est Coupe du Monde, États-Unis, Mexique, Canada. Il voulait y être. Donc je pense que c'est ça aussi qui a dû lui faire mal parce qu'il a loupé celle du Qatar et il s'est dit, moi, je vais faire la Coupe du Monde avec l'Algérie et malheureusement, il n'aura pas l'opportunité de l'avoir. Est-ce que Hassan? tu penses, Mehdi, qu'il n'y a pas une distance aussi qu'il y avait déjà depuis la base entre Belmadi et la nouvelle Rapidement, présidence Mehdi, s'il te plaît, comme ça on passe à Belmadi. autre chose, s'il te plaît. Je t'en prie. Belmadi, je pense que Belmadi s'est un petit peu approprié l'équipe nationale, malheureusement. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il était à tous les postes et là où il ne devait pas être sur certains, notamment sur les pelouses, etc. Il voulait tout gérer. Et à vouloir trop gérer, bah, il s'est mis à dos un petit peu tous les présidents parce qu'il s'est dit, j'ai le soutien du peuple, donc je peux faire ce que je veux. Et les médias, je les ai muselés. Donc, stratégiquement, c'était cohérent ce qu'il avait réussi à mettre en place. Mais voilà, ça, il y a eu la faille de cette CAN. Toi, Hassan, on revient sur toi qui a connu Walid Saadi. Est-ce que tu peux nous parler de l'homme que tu as connu? Il est certainement différent maintenant, il a d'autres fonctions, plus d'expérience. Il est aujourd'hui président de la Fédération algérienne. Est-ce que tu peux nous dire comme ça en quelques mots un peu Oui, qui bien est sûr. Walid Saadi? Oui, bien sûr. Moi, je l'ai connu pendant les années Raorawa et il était toujours avec nous. Donc, c'était quelqu'un de très accessible, très gentil, serviable,
dynamique et très, très, très intelligent. Vraiment très, très, très intelligent. Donc, je suis pas étonné qu'il soit à la tête de la fédération aujourd'hui. Et je l'en félicite encore une fois, même si je l'ai félicité personnellement. Après, moi, je ne pense pas qu'il ait voulu cette défaite. Je ne pense pas que ça l'arrange à Walid, à Saadi. Pourquoi? Parce que lui, il est là en tant qu'il est à la tête de la fédération. Je pense que son plus gros souhait à lui, c'était d'arriver à la tête de la Fédé et de gagner la Coupe d'Afrique. Ça aurait été quelque chose d'extraordinaire pour lui. Donc, je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. Je ne pense pas qu'il soit content que Jamel ait échoué à ce stade. Quoi. D'accord, Hassan. Bon, après, en même temps, ce n'est pas un sélectionneur qui l'a choisi. Mais c'est vrai que dans son bilan, il ne commence pas de la meilleure des façons. Est-ce que tu nous as dit que tu étais encore en contact avec lui. Tu as contacté peut-être avant son élection, après, pendant? Non, oui, j'ai eu son entourage aussi au téléphone avant son élection et après son élection. Et voilà. On peut savoir pourquoi? Vas-y, donne-nous à manger. Non, il n'y a rien à manger. C'est boire de l'eau, c'est tout. C'est tout. Toi qui connais le profil. En revanche, si je peux rajouter juste une chose, oui. J'ai eu quelques contacts là-bas sur place, des gens qui connaissaient un peu l'entourage de Saadi, et il y a quand même vraiment de bons retours. Ça laisse présager quand même beaucoup d'espoir pour la suite, Inch'Allah. Inch'Allah. Dis-moi, Hassan, je reviens sur le président de la Fédé. Toi, donc, il l'a connu, qui est a priori un petit peu encore en contact avec lui, son entourage. Qu'est-ce qu'il peut apporter de nouveau que les autres n'ont pas fait? Est-ce que vous avez parlé peut-être d'un projet, quelque chose? C'est quoi l'élan, là? On est sur quelle tendance? Sincèrement, je ne pourrais pas vous aiguiller. Je ne pourrais pas vous en dire plus parce que je n'ai pas parlé du sportif. Voilà, tout simplement avec eux. Donc, un petit peu, mais rien à voir avec leurs ambitions et leurs projets. Donc, voilà. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que c'est quelqu'un de dynamique et de très, très, très intelligent. Et je pense qu'il peut apporter beaucoup de bonnes choses pour cette sélection. Eh bien, écoute, on le souhaite, à commencer, parfaite transition, par un nouveau sélectionneur. Messieurs, je vous le demande, quel est le profil pour vous idéal pour reprendre cette équipe nationale? Je vais commencer par les chroniqueurs, Hassan, bien et bien. Après je te donne la parole, et tu n'auras pas le droit de tricher et me dire « je pense comme lui ou comme lui ». Ça devra venir. Voilà. Je commence par toi, Bilal, rapidement. Dis-moi, le profil idéal pour toi. Alors, en parlant de profil et pas de nom. Oui, alors, pour le moment, profil. Et puis, si tu as des noms qui correspondent à ton profil, n'hésite pas. Alors, en réalité, je pense que vraiment, le nom d'Hervé Renard, pour moi, ce serait celui qui fitterait le mieux avec le profil dont on a besoin actuellement. Après, si on parle juste en termes de profil, déjà, quelqu'un qui connaît un minimum l'Afrique, parce que c'est important, parce que jouer en Afrique, que ce soit l'environnement, que ce soit la température, que ce soit tout ce qui s'y passe, c'est important, et encore plus l'Algérie, parce qu'on est très spécial. Et on nous l'a même dit en Côte d'Ivoire, beaucoup de journalistes nous disent « ouais, être sélectionneur de l'Algérie, ça doit être quelque chose de très très chaud, c'est pas comme chez nous ». Donc même en Afrique, on est connu comme étant une particularité. Ensuite, dernière des choses, un profil étant capable de pouvoir gérer autant des locaux que des binationaux. C'est très très spécial, c'est très particulier à faire. Et ça, actuellement, franchement, mis à part Hervé Renard comme top tendance, j'ai pas vraiment de profil. J'ai l'impression qu'on prendra plus quelqu'un par défaut. Et toi, Mehdi, ton profil? Moi, mon profil, c'est un entraîneur que je connais parce que je l'ai suivi quand il est arrivé à Nantes pour sauver le club. Le club était relégable. Il est venu, il a imposé ses exigences au président du club. Il leur a dit, voilà, moi, je veux que ça se passe comme ça. Je veux que vous me donnez les commandes sur le plan sportif. Et il a tout recadré. Il a remonté le club. Il a réussi à sortir un fond de jeu en très peu de temps. Et on a fini quasiment européen. C'est Sergio Conceição, qui est aujourd'hui l'entraîneur du FC Porto. Les Portugais sont très à la mode en Afrique. On le voit avec le style de jeu angolais, le style de jeu capverdien. Je pense qu'il saurait s'adapter au football africain. C'est quelqu'un de rigoureux et qui sait justement parfois serrer certains profils. Quand je dis certains profils, ça va être les joueurs qui ont...
ont une certaine notoriété. Et il ne faut pas faire dans le copinage, on a vu ce que ça donnait. Donc, il faut des hommes de tempérament. Pour moi, Vahid Halilhodžić, ça serait revenir en arrière, même si c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, qui sait tenir justement ses joueurs et ne pas mettre et savoir mettre des stars sur le banc. Mais pour moi, 72 ans, je trouve que c'est beaucoup trop vieux. Il y a une grosse différence d'âge avec des Boanani qui ont 19-20 ans. Il faut quand même quelqu'un de beaucoup plus jeune. Donc voilà, pour moi, ce serait le profil idéal contre Chessao, mais malheureusement, je ne sais pas si Porto le laissera partir. Barrière de la langue, ça ne pose pas de problème. Tu parles du Cap-Vert, de l'Angola qui prennent des entraîneurs portugais. Il va arriver là. Ça veut dire, moi, je te donne un peu mon idée sur le profil que j'aime beaucoup. J'ai connu ça, je peux t'en parler. J'ai connu ça en Asie. Quand tu as quelqu'un qui traduit pour toi, tu ne sais pas trop ce qu'il dit. Ça ne pose pas de problème pour toi? Bah, je crois que quand c'est ça, on parle un peu des franchises. Des franchises, ouais, mais bon, quand tu parles une langue que tu ne maîtrises pas, tu ne diras jamais le discours que tu veux dire. Mais je retiens. Donc, Renard pour Bilal, Conceição pour Mehdi, qui nous met un peu de fraîcheur, un peu de nouveauté dans les choix. Ouais, il faut changer un petit peu. Ah ouais, non, c'est bien. Hassan, première question. Est-ce que tu crois à un retour de Vahid, toi qui l'as connu, et qu'est-ce que tu en penserais? Moi, je pense que c'est son rêve de revenir. Je pense que c'est son rêve parce qu'aujourd'hui, il ne doit pas avoir forcément beaucoup d'opportunités, contrairement à ce qu'il a pu dire. Mais est-ce que ça ferait le nôtre? Ouais. Est-ce que toi, tu connais. Donc dis-nous franchement les choses. Moi, j'en ai parlé avec d'autres internationaux. Ils ont été très clairs sur la question. Donne-nous ton point de vue. Non. C'est quelqu'un qui a apporté énormément de choses. On ne va pas le renier. Hein. Il a apporté énormément de choses positives lors de la qualification en 2014, lors de la Coupe du Monde et une belle Coupe du Monde, etc. On ne va pas lui enlever. Il avait des méthodes un peu extrêmes, on va dire, que certains ont pu supporter, d'autres n'ont pas forcément. Comme toi, s'il te plaît, si tu peux nous donner quelques éléments. Non, il y a tellement de choses à dire que c'est compliqué de rentrer dans le sujet. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, à 72 ans, je pense qu'il est dépassé. Quoi, il va être dépassé, voilà, comme vous le disiez aussi, il a un écart d'âge énorme avec certains gamins qui arrivent. Et je pense qu'il serait peut-être même un peu trop dur et que ces gamins d'aujourd'hui, et surtout les locaux, etc., n'accepteront pas ou n'arriveront pas à se mettre au diapason parce que ça va être compliqué. Et des méthodes, même sur les entraînements qui sont un peu trop poussées, etc., je pense qu'il a eu de la réussite avec nous. Mais que ça ne va pas fonctionner à tous les coups. Après, moi, ce que j'aimerais pour cette sélection, c'est un sélectionneur qui connaisse déjà le football africain, premièrement, qui connaisse l'Algérie. Parce que, voilà, il faut quand même connaître les joueurs qui jouent dans le championnat. Parce que quand on parle de binationaux, c'est bien beau, mais il y a aussi les locaux. Et les locaux, je pense qu'il en faudrait même plus que ça. Parce que c'est des joueurs qui sont habitués à jouer, comme je le disais, sous la chaleur, etc. Parce que c'est un climat plus doux qu'en France. Et voilà, donc un entraîneur qui connaisse aussi le championnat algérien et qui connaisse les Algériens. Voilà. Et donc, tu aurais un nom en tête. Déjà, attends, avant que tu me donnes un nom en tête, le choix Conceição, tu l'as connu au Portugal ou pas? Oui, je l'ai connu, ouais. Ouais, c'est un choix cohérent pour toi, tu penses? Ouais, c'est un choix cohérent parce qu'il a la poigne. Il sait se faire respecter des joueurs, donc il sait être dur avec les joueurs, mais voilà, Vahid, il savait être dur, mais il savait peut-être pas être gentil avec les joueurs, alors que Conceição, il est très proche de ses joueurs en étant très très ferme. Donc je pense que oui, il a un très bon caractère. Il est jeune, donc il est là, il peut dynamiser le groupe, etc. Il a de très bonnes idées footballistiques. Donc ouais, c'est vrai que ce serait un très très bon choix. Après, est-ce que lui accepterait de venir? Là, je suis pas si sûr que ça, malheureusement. D'accord. Est-ce que du coup, tu aurais un nom comme ça, toi, qui te vient en tête? On ne dit pas que ça sera faisable, on ne sait pas. Est-ce que toi, aujourd'hui, Hassan Yebda, président de Fédé, 2-3 noms? Entraîneur, sincèrement, à part Majid Bouguera, j'en vois pas. J'ai pas d'autres noms à donner. Moi, si je peux t'aider. Pardon ? On peut l'appeler. Majid, on lui pose la question en live. On l'invitera à une émission.
Est-ce qu'il manque pas un peu On devait l'avoir en plus avant. d'expérience, Hassan? Majid est revenu dans beaucoup de bouches. Est-ce que c'est vrai qu'il coche beaucoup de cases, mais est-ce que footballistiquement parlant, il manque pas un peu de bouteille Je de pense ton pas que... point de vue? Non, je pense pas que footballistiquement parlant, il manque de bouteilles. Ça, je pense pas. Par contre, oui, d'expérience internationale, c'est sûr. Il en manque en tant qu'entraîneur, bien sûr. Mais je pense que cette équipe, elle a besoin de jeunesse aussi. Elle a besoin d'un voilà, comme c'est exactement ce que je disais, une personne qui connaît l'Algérie, qui connaît les jeunes, parce qu'il a pu connaître les jeunes aussi, étant donné qu'il a gagné, la Coupe arabe, il a fait finaliste du CHAN, etc. Donc il connaît énormément le championnat algérien. C'est un entraîneur qui a de la poigne, qui sait être gentil aussi. Et voilà, je pense qu'il mériterait d'avoir sa chance. De toute façon, on est dans le renouveau aujourd'hui. Donc je pense que voilà, pour qu'il ait de l'expérience aussi, il faut qu'on puisse lui en donner. Oui, d'accord, très bien. Hassan, quand on parle d'un profil comme Bouguera ou d'un ancien, peut-être de votre génération et tout, est-ce que tu peux nous citer des noms comme ça? Parce qu'on a l'impression, je ne sais pas, c'est peut-être moi, on en a parlé un peu, on a l'impression que la Fédé, ils ont un peu de mal à appeler ces anciens. Nous, on est toujours contents de vous revoir, on est Ouais. toujours à vous demander ce que vous faites, et on a l'impression que la Fédé, pour eux, va vous exister que pour le peuple, c'est-à-dire, voilà, ça fait bonne figure, mais quand il s'agit de prendre vraiment des responsabilités. On pense à. Alors, moi, je vais te dire quelques noms. Je pense à un gars comme Karim Ziani, qui a été un petit peu en poste en France. Il y a Antar, il y a Rafik aussi, Rafik Djebbour, qui travaille aussi sur la Grèce. Il y a toi qui nous dis que tu as passé tes diplômes, tu Si as je peux arrêté. rajouter Il y que a. Si je peux rajouter Pardon? quelque chose, Adlan, c'est vrai que même dans les Vas-y. autres fédérations, en général, il y a toujours, tu sais, des moments hommage, des événements où on ramène les anciens, etc. On vous voit jamais, en fait. On vous voit Ouais, on a vraiment jamais. l'impression, vous êtes la génération, en fait, je vais te dire clairement les choses, Hassan, très rapidement, on a l'impression que vous êtes un peu la génération qui a remis au devant de la scène le football algérien, Ce et que j'allais c'était dire. un peu un truc genre, vous avez été la première partie d'une histoire qui recommence. Et salam alaikum. Donc, Hassan, est-ce que tu as des noms comme ça que tu pourrais, parce que Bouygues, il vient pas seul, j'imagine, ou lui ou un autre, d'ailleurs, j'ai envie de te dire. Oui, c'est vrai. Déjà, pour revenir à la première réflexion, c'est vrai que oui, nous on est venus, on a joué pour la sélection, ça s'est plutôt bien passé, alhamdoulilah. Après, c'est vrai que je pense qu'on doit être un des seuls pays au monde quand je parle de pays au monde au niveau de la fédération, je vais pas parler d'ingratitude, mais je vais parler d'un petit peu de manque de reconnaissance Tu peux y aller quand même, hein, même. par Mais bien sûr rapport. qu'on peut parler d'ingratitude, Hassan, il ne faut pas Ah avoir ouais. peur des mots. Oui, On non. le dit tous, tout le monde le Parce dit. que je suis désolé, hein. Vous êtes les grands oubliés. Adel, moi je suis Vous êtes désolé, les. hein. J'ose le dire sans manquer de respect à tout ce qui s'est passé en Algérie dans les années 2000. S'il n'y a pas 2009, je suis persuadé qu'on n'a pas les générations d'aujourd'hui. Mais Il n'y on a est pas ce qui tous s'est passé d'accord aujourd'hui. là-dessus. Et pour revenir à Hassan, parce que je n'ai pas envie de te couper dans ce truc-là, vous êtes clairement les grands oubliés du football algérien aujourd'hui sur la scène footballistique. Pour reprendre les rênes du football algérien. Vas-y, je te laisse continuer. Pas de souci. En fait, voilà, je pense que ce serait bien qu'il puisse organiser aussi des événements, comme il disait, comme il l'a si bien dit, des événements par rapport à même que je parle pas que pour nous, même ceux qui ont gagné la CAN 2019, ça serait bien de créer des événements pour eux, etc. Ils ont quand même fait quelque chose d'extraordinaire, alors que eux aussi ils vont être oubliés. Par exemple, en 2029, ils vont pas leur faire un événement pour fêter les 10 ans, par exemple, ou voilà, ne serait-ce que ça, histoire de leur montrer un petit peu de respect et de les honorer. Bon, après, nous, on vit avec, hein. Moi, je vis pas pour être honoré, ça c'est sûr et certain, mais j'aime mon pays. Je suis fier de ce qu'on a pu accomplir avec l'Algérie. Après, oui, c'est vrai on voit la Côte d'Ivoire, il y a Drogba qui est là, il y a le Cameroun, il y a Eto'o qui est là, voilà, il y a Emers Faye. Qui est entraîneur aujourd'hui principal, qui a pris la place de Gasset, qui lui aussi était joueur Avec de. qui tu as joué en équipe de France, tu es champion du monde avec lui. Voilà. C'était en Malaisie. Non, Malaisie, c'était la Malaisie. Non, c'était où? Trinidad et Tobago, ouais. Ouais, voilà. Et donc, voilà,
toutes les fédérations font appel aux anciens internationaux. Malheureusement, aujourd'hui, l'Algérie a un petit peu de difficulté avec ça. C'est dommage parce que je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui pourraient donner un coup de pouce et faire en sorte que le football algérien avance plus vite. Tu as des noms, Hassan, à nous donner, des gens avec qui tu es encore en contact, des gens avec qui tu as joué, qui sont formés, qui sont prêts, qui attendent que ça? Oh, je pense à, y a Antar, il y a Karim, il y a Matmour, il y a Rafik, il y a moi, il y a qui encore? Je pense qu'il y en a d'autres aussi qui ont passé leur diplôme et qui aimeraient peut-être intégrer la fédération, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. Écoute, là, tu nous as cité des noms qui nous ont fait quand même un peu vibrer, qui sont un peu. Donc là, on lance un appel à la Fédé. Je ne sais pas s'ils écoutent l'émission, ça m'étonnerait quand même un peu. Mais faites-nous plaisir. Faites-nous plaisir. Amenez. Alors, peut-être pas pour l'équipe 1, mais j'imagine qu'il y a des U17. On veut relancer le foot en Algérie. On veut de la formation. On veut voir nos équipes aux Jeux Olympiques. On veut les voir performer à la CAN des U17. On veut plein de choses pour l'Algérie. Il y a une diaspora là qui est présente, et je ne parle pas que pour la diaspora, il y a aussi, j'imagine, des entraîneurs locaux, jeunes, dynamiques, avec des nouvelles idées qui sont présents. Faites quelque chose. C'est quand même, je sais pas, c'est un peu un appel du cœur là qu'on est en train de faire, et quand tu n'étais pas le seul à en parler, c'est ça, c'est pour ça que je me permets de le dire ouvertement. On a cette génération, on a l'impression de travail non achevé. Vous nous avez fait vibrer, vous avez apporté beaucoup d'émotions, vous êtes encore frais. Vous avez plein d'idées, plein de connexions, et vous êtes en stand-by. Et donc, je voulais rebondir un peu sur ce que tu disais, Hassan. Hassan, un entraîneur étranger pour toi, bonne idée, mauvaise idée? Si, ça peut être une bonne idée, bien sûr, mais je privilégierais quand même un entraîneur, on va dire, qui connaît très bien l'Algérie. Si tu devais donner un nom peut-être d'un entraîneur étranger, alors je te dis les noms qui sont sortis. Il y a eu Renard, il y a eu Petkovic. Pardon? Non, c'est sûr que Renard, pour moi, ça serait le choix numéro un. Ça, c'est sûr et certain. D'accord. Très bien. Messieurs, J'ai juste oui, Lionel. un nom qui est sorti là, il y a pas, il y a aujourd'hui, je crois même carrément, c'est Monsieur Petkovic, ancien sélectionneur de la Suisse, d'ailleurs qui a fait un très beau quart à l'Euro et qui a connu un huitième de Coupe du Monde. Dans le profil, le ramener, je ne sais pas si pour reparler un peu de l'époque de Hassan, ça me fait un peu penser à Alcaraz que tu as eu. Non, tu l'avais Alors, pas eu? ça, si, je l'ai eu Si, il pendant l'a eu, il l'a eu. Il l'a eu, bien sûr, c'était son entraîneur, il me semble, à Grenade. C'est ça, ouais, je l'ai eu pendant 1 an et demi, 2 ans, même si j'ai été blessé, j'ai eu les croisés pendant la période. Ouais. Mais par exemple, je ne me rappelle plus qui était président de la fédération. C'était Dès que ça pas. commence à Si. devenir. On a une censure, Ouais. là, Il c'est y pas a une possible. censure, il y a quelque On chose, a, il y a dès quelque que ça chose à dire, devient non? intéressant, on a un souci ou d'image ou de son. On est désolé. En tout cas, il va revenir, il va nous dire si c'était intéressant. Ah là, C'est il y a trop une dur. censure, il y a une censure, là, il se passe quelque chose. C'est ça le secret, ça. Ouais, c'est pas. On Je sais pas dérange, si on c'était. dérange. Et Le de la femme. pourtant, on est ultra soft et Comment ça? ultra objectif, hein, vraiment. Donc, c'est intéressant, les amis, avant qu'ils reviennent. C'était C'est Zetchi, le intéressant. président de la FAF, à ce moment-là, quand il a recruté C'était Alcaraz. Zeti? D'accord. Ouais. Donc, ouais, les amis, c'est intéressant. Ce qu'il dit Hassan, au final, on a quand même pas mal de joueurs comme Yeah. ça, d'anciens, qui sont dispo au final. Vas-y, on te laisse terminer, Je suis Hassan. désolé, on m'appelle en WhatsApp et je me suis mis en Il n'y mode a avion. aucun problème. Bah, tu sais, les gens, ils sont connectés, ils te voient, donc ils t'appellent, tu Et vois. en fait, ce que je disais, c'était que je pense que c'était Zetchi, le président de la fédération, en cette période. Ouais, exactement, Mehdi a confirmé. Voilà, et en fait, ce qui m'a, quoi, ça ne m'a pas dérangé, mais j'aurais aimé, je pense, recevoir un coup de fil pour savoir justement, pour qu'il ait quelques informations. Parce que je pense que c'était, je crois que c'était le premier entraîneur qui prenait, non? Oui, À son je arrivée. crois, ouais. Ouais. C'est quand même assez important pour lui. Et je pense qu'il l'a pris sans forcément le connaître. Et je pense qu'il aurait dû nous demander notre avis et Mais il y savoir avait. comment il entraînait, ses compétences, mais aussi est-ce qu'il n'avait pas de problème avec les Algériens, etc. Parce que
Moi, je l'ai connu pendant 1 an et demi. Et si, par exemple, Monsieur Zetchi m'avait appelé, je lui aurais dit vraiment de ne pas le prendre. Pour quelle raison, Hassel? Bah, déjà, premièrement, pour ses compétences footballistiques. Et deuxièmement, pour la relation qu'il a pu avoir avec les Algériens qui étaient présents à Grenade, en l'occurrence, il y a 6 mois. D'accord, donc il avait un problème quasi perso Ouais. avec. Ouais, voilà. Je crois qu'il y avait Ah des ouais. accords parce que de mémoire, Zetchi, il a une société de faïence de céramique. Et je Ouais. crois que la famille Alcaraz en Andalousie, là-bas, ils ont aussi une société de. Enfin voilà, Peut-être, il y je avait sais des pas. connaissances, c'était Je bizarre. sais pas. Non, peut-être, mais bon, ça n'explique pas. Enfin, j'espère, en tout cas, ça n'a pas Non, guidé le choix voilà. du président de l'époque. Mais là, ce que Je nous dit. En fait, ce qu'est en train de nous dire Hassel, c'est très important, c'est qu'on a des joueurs qui connaissent les entraîneurs avant de les contacter, Ah, discuter un petit exactement. peu, consulter vos joueurs, on aurait pu éviter Exact. peut-être des erreurs. En tout cas, c'est une déclaration forte que tu nous fais, Hassel, et merci pour ta franchise, en nous disant qu'au final, toi, tu savais déjà qu'il avait a priori un problème avec les Algériens. On le savait déjà. C'est pas je le savais, c'est que même D'accord. une fois qu'il a été élu entraîneur sélectionneur de l'Algérie, on savait que ça allait mal se passer. Il n'avait pas forcément les compétences non plus pour pouvoir être le sélectionneur. Et loin de là. D'accord. Est-ce que je vais te poser une question? Et là, on parle plus forcément de profil pour l'Algérie, quoique quand même. Si tu as connu plein d'entraîneurs dans ta carrière, tu en as croisé aussi, tu as vu pas mal de matchs. Est-ce qu'il y a un entraîneur qui t'a marqué, que tu aimerais voir à la tête de l'équipe nationale? Là, on ne parle pas de réalisme. Quoique, hein, rien n'est vraiment irréalisable, mais est-ce qu'il y a un entraîneur comme ça qui t'a marqué, que tu aimerais voir Moi, j'aimerais. Bon, il y a un entraîneur, je pense, qui ferait énormément de bien à cette équipe parce qu'il connaît le sujet par cœur. C'est Jorge Jesus, entraîneur d'Al Hilal aujourd'hui. Oui, ancien entraîneur de Benfica. Benfica. De Benfica, voilà, exactement. Et je pense que c'est lui qui, de tous les entraîneurs que j'ai eus, c'est lui qui connaît le mieux le football. Et il a un gros tempérament, il a un très gros caractère. Il est proche de ses joueurs et je pense que pour moi, oui, ce serait le meilleur choix pour un entraîneur étranger. D'accord, donc pour toi, c'est le profil en termes de tout, football, connaissances, relations humaines. D'accord. Quelques mots sur. On t'a vu. Alors, je ne sais pas, arrête-moi si je me trompe. Je pense ne pas me tromper si je dis que tu as relancé ta carrière vraiment au Mans. Tu as été un tremplin. Tu as fait une énorme saison avec le Mans. Tu as été un tremplin. Est-ce que Rudy Garcia y est pour beaucoup? Oh non, 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 Adlen, non, je suis Je désolé, sais, non, je non, pose la question non, non, à non, Hassel. non, Tu non, n'as non, pas non, joué avec Hassel. Je je suis pose la désolé, question j'ai à pas envie Hassel. d'entendre parler de ça. Alors, contrairement à tous, parce que j'entends beaucoup de gens le décrier, c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être oui, mais à l'époque, il a quand même fait un gros, gros, gros travail au Oui. Mans, à Lille, voilà, il faut pas l'oublier. Il n'y a Et c'est. rien à dire dessus, je ne parle pas de ça, bien sûr. Voilà. Mais moi, pour moi, si j'avais pas eu, par exemple, Rudy Garcia, j'aurais peut-être pas été ce joueur que j'ai été au Mans. Parce que c'est lui qui m'a fait jouer, c'est lui qui m'a donné cette confiance. Il était très proche de moi. Voilà, il avait aussi une bonne équipe. Il avait aussi une bonne équipe parce qu'on Ah, l'avait elle comme. avait une sacrée équipe, j'ai envie de dire. Vous aviez une très très belle équipe au moins à l'époque, hein. Voilà, donc. Voilà, mais c'est vrai qu'il y est pour beaucoup, en tout cas. D'accord. Juste un petit D'ailleurs, rappel. bon, juste parce que c'est vrai que je charrie Rudy Garcia là actuellement, c'est là actuellement, il nous le fera T'es pas du jeune, toi, tout, Vilaine. très très loin. Mais par contre, c'est l'un des coachs qui a lancé le plus de jeunes. C'est celui qui a lancé le plus de jeunes. Même à Marseille, quand c'était catastrophique, il lance énormément de jeunes, et même à Naples d'ailleurs. Oui, c'est vrai, Ouais. à Naples, à Lille aussi, ouais. Eh ben, c'est marrant que tu nous aies parlé de Jorge Jesus parce que c'est aussi sous ses ordres qu'a brillé notre ami Islam Slimani au Sporting. Au Sporting. Et ça a été son coach et on sait, il a fait du coup les beaux jours et du Sporting et de Islam et vice-versa, j'ai envie de dire. Donc voilà. Messieurs, Mehdi, un mot à rajouter par rapport à ça, profil, nouveau.
sélectionneur, tu nous as parlé d'un Nantais, forcément, ça nous aurait étonné. Bah, Maintenant, dis-moi, dans une après, lycée d'Argie. dans l'idéal, parce que je regarde aussi beaucoup les commentaires là, de tous les auditeurs, dans l'idéal, on aimerait tous un profil à la MRSFA et dont on parlait tout à l'heure avec Hassan, qui est issu, qui a joué pour l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, Tu es qui a formé été où? formé à Nantes, né à Ah. Nantes, Encore une fois. et qui a fait ses classes donc, dans les catégories jeunes à Nice, et qui aujourd'hui, par pur hasard, parce qu'il était l'adjoint de Gasset, ça je ne le savais même pas avant le début de la CAN, a pris les commandes de l'équipe nationale. Donc le parcours et l'histoire, elle est magnifique. Je lui souhaite vraiment d'aller le plus loin possible, et Inch'Allah pour lui de la gagner. C'est un très bon gars. Et je me dis, bah, pourquoi nous, on n'a pas un profil du type MRSFAE? Je trouve que, je ne sais pas ce qu'en pense Hassan, mais je trouve qu'il manque beaucoup justement de l'ancienne génération qui arrête leur carrière footballistique. Il manque de joueurs qui passent leur diplôme d'entraîneur, tout simplement, justement, pour reprendre des équipes. On a Majid, on a Karim qui nous en parlait. Bon, toi, tu as commencé, mais tu as eu des soucis, ce que tu nous expliquais, puis il y a eu le Covid. Mais on en aimerait plus, en fait, pour même reprendre des équipes en Algérie, des clubs de Ligue 1. Enfin, il y a beaucoup de travail. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Après, c'est vrai qu'on est quelques-uns quand même à avoir passé nos diplômes. Bah, je pense à Karim. Je crois que Karim Matmour aussi, si je dis pas de bêtises. Il y a les deux Karim. Il y a Antar, je crois aussi, qui est en train de les passer. Et voilà, je pense que moi, je l'ai passé déjà en 2018, 2019. Ouais, 2019. Donc, après, en France aussi, il faut savoir que c'est très, très compliqué. C'est très compliqué parce que il ne donne pas l'accès au dernier stage à tout le monde. Donc il y a une sélection donc c'est très très compliqué d'avoir ces diplômes en France. Ouais, c'est très compliqué d'avoir ces diplômes en France. Tu n'es pas le seul à le dire. Et c'est surtout très, très, très compliqué quand tu n'as pas aussi été pro en France, ne serait-ce que de les passer, même pas de les avoir. Ouais, bien sûr. On a parlé longtemps de Carlos Queiroz, que je revois venir dans les commentaires, qui est, on dirait, complètement sorti de la boucle là, hein. On n'en parle plus trop, c'est plus trop d'actualité. On entend tout et n'importe quoi. Alors, on va pas aller dans. Mais on parle d'Aliou Cissé. On parle de Shell. Au Mali, on est en train de sortir un peu tout et n'importe quoi. Bilel. Il faut faire attention justement à pas que ce soit juste des noms et faut qu'ils fitent avec l'équipe. Faut que y ait une correspondance. Faut que ce soit quelque chose d'important pour leur carrière. Par exemple, quelqu'un comme Carlos Queiroz, sur le CV, moi je dis oui, il faut 1000 fois. Mais est-ce que aujourd'hui il a encore envie de créer quelque chose de grand? Parce que l'Algérie, là, ce qu'on a besoin, c'est quelque chose qui rêve très grand. C'est quelqu'un qui arrive en rêvant très grand. Pourquoi je disais renard? Parce que je sais qu'il a envie de revenir et revenir par la grande porte en faisant quelque chose de très très fort. Aujourd'hui, Carlos Queiroz, est-ce que vraiment il a ses fins? Il a l'impression, tu sais, des fois c'est des cycles et on a l'impression qu'il est plus sur une fin de cycle. À voir. Après, Allahu alam, hein, je sais pas. Peut-être que ça se trouve c'est celui qu'il nous faut. Et par exemple pour c'était qui l'autre? Oui, Aliou Cissé. Aliou Cissé vient de Oui. sortir 9 ans. 9 ans au Sénégal. Donc déjà juste avant ça, il vient de sortir de 9 ans. Il a tout connu avec eux. Il a déjà connu les sommets. Est-ce que vraiment il va être là tout de suite prêt à repartir en Algérie dans un projet aussi pharaonique que ce qu'on demande aujourd'hui? Je pense pas. Je pense pas qu'il a la tête à ça. Et en plus, partir juste dans le pays, juste à côté, juste un peu plus haut, ça me paraît très très compliqué pour avoir un entraîneur totalement avec toute son envie et toute l'énergie qu'il faut. Hassel, j'aimerais que tu nous dises un petit peu, nous qui ne connaissons pas l'inside d'une sélection, quand il y a un nouveau sélectionneur qui arrive, déjà dans la tête d'un joueur qui est sélectionné, qui a l'habitude d'être sélectionné, qu'est-ce qui se passe? On sait que tout va changer, hein. On sait qu'il faut se donner à fond parce que si tu jouais pas forcément titulaire avant, bah maintenant
ça allait être l'occasion pour toi de montrer que tu avais le niveau pour jouer titulaire. Et ça change tout. Le comportement, ça redynamise l'équipe, ça remet de l'intensité, plus d'intensité à l'entraînement. Les gens sont plus concentrés, plus à l'écoute. Ça change énormément de choses, hein. Ça change énormément de choses. Alors ça, voilà, le sélectionneur, il y a un nouveau sélectionneur dans ta tête. Ça change énormément de choses. Maintenant, comment ça se passe concrètement? Il vient, généralement, il vous appelle. Avant, il y a il nomme des cadres ou pas. Que ça se passe. Est-ce que vous vous appelez Ouais. entre joueurs? Qu'est-ce qui se passe? Non, ça dépend des entraîneurs en fait. Il y a certains entraîneurs qui vont vous appeler avant, qui vont vous donner quelques indications, quelques informations avant de se rencontrer lors du stage. Il y en a d'autres qui ne vont pas appeler et on va se rencontrer directement au stage. Il y en a d'autres qui vont faire une sélection de 3-4 joueurs clés, quoi, des cadres, et d'autres non. Voilà, ils ont tous leur manière de fonctionner. Ok, très bien. Bah, écoutez, messieurs, merci beaucoup, Hassan, pour toutes ces précisions. Merci à vous. L'émission va toucher à sa fin, mais avant, j'aimerais que faire une petite parenthèse sur Mehdi. Tu as des chiffres à nous donner sur le retour des internationaux dans leur club? Tu as ça? Ouais, j'ai regardé un petit peu là après l'élimination donc contre la Mauritanie. Donc il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas repris le week-end donc dans la foulée. On a bien évidemment Bennacer avec le Milan AC, Mandrea pareil qui n'a pas joué, Ben Sebaïni au Borussia, Mahrez, Bounedjah, Belaïli. On a quelques joueurs donc je les ai pas tous, hein, mais j'ai Shaibi qui a joué 45 minutes avec Francfort. Francfort a gagné. Aït Nouri, pareil, il est rentré 20 minutes de la fin, ils ont gagné. Et Aïssa Mandi, qui a grosse perf, qui ont été gagnés. Lui, il a joué 20 minutes, ils ont été battre le Barça, pas au Camp Nou parce qu'il est en travaux, mais chez eux. Bon, il n'a pas touché beaucoup de ballons, mais il est rentré en jeu à quelques minutes de la fin. Donc voilà, ils vont reprendre tout doucement la compétition, je pense. Et normalement, ce week-end, on en verra beaucoup plus. Amoura, t'en as parlé? Alors Amoura, bien évidemment, j'ai pas eu le temps de regarder, mais j'ai vu qu'il avait marqué, non, c'est ça? Un but, Il a une passe. marqué il a Et marqué un but, ouais. il a marqué, et de ce qu'on a vu, il a dépassé son prédécesseur en nombre de buts dans la saison pour le club. Donc, et je vous rappelle que le Royal Union a vendu donc Boniface, le fameux Boniface, Le à qui j'ai Nigérian. souhaité exactement. Que je voyais comme meilleur buteur de la CAN, qui ne l'a même pas disputé. À quel point, ça vous dit à quel point j'ai l'œil. Donc, Boniface, qui est parti donc à Leverkusen, qui fait d'ailleurs une très belle saison, qui était le buteur de cette équipe belge. Amora vient, le remplace, il met plus de buts que lui, en moins, il a fait même pas la moitié des matchs sur la saison, et il a déjà dépassé. Donc, Incroyable. magnifique. Il a mis un but. Et une passe À D. 18 buts en 24 matchs, alors que Boniface, c'était 50 et quelques. 17 en 51 matchs, je crois, de mémoire, quelque chose comme ça. Donc, magnifique. Autre chose à rajouter, messieurs, avant qu'on se quitte. Hein. Juste, il y a des auditeurs qui nous parlent de Nazim. Donc, Nazim, concernant lui, son Made in Nigeria, il va revenir très bientôt, Inch'Allah. Et il nous avait donné quelques noms d'entraîneurs 100% Il y a eu du algériens, donc Roland il y avait Courbis, là, Benchi. que j'ai vu. Ouais, alors Nazim, il nous avait donné Benchikha. Hassan, il a rigolé. Il y avait qui encore? Il y en avait un deuxième, j'ai oublié. Hassan, t'as quelque chose à nous dire sur Arnaud, Roland? Non, rien. Arnaud. Je vais le mettre dans la sauce, bien comme il Hassan, il veut voir Majid. Il veut voir Majid à la tête de la sélection veut. turque. Ouais, Ou ça Georges serait. Jesus. Pas des deux. Messieurs, l'émission touche à sa fin. Merci beaucoup encore une fois, Hassan, d'être venu et d'avoir répondu présent à cette invitation. Ça a été un honneur pour nous tous. Merci aussi pour ta franchise. Regarde, Hassan, on a une habitude ici dans l'émission. Tu sais, on a un ami qui a un restaurant à Paris qui nous soutient. Il s'appelle Samir. Le restaurant s'appelle Time Restaurant, que tu dois peut-être connaître. Et si tu Non. ne connais pas, je t'invite réellement à y aller. C'est un excellent restaurant. Tu y manges Incroyable. très très bien. Donc un salut à Time Restaurant et à l'équipe de Samir, bien évidemment. Je passe aussi
Un Karim LM. Le connaît, hein, Karim Ziani, on l'a déjà croisé. Oui, là-bas. Beaucoup, beaucoup de joueurs, beaucoup de gens que connaît Hassan. Il retrouvera beaucoup de gens là-bas. Si... Donc, vous pouvez le voir, Hassan est déjà parti. Il est déjà parti au restaurant. Hassan, il joue pas le temps additionnel. Hassan, il faut muscler le jeu. On t'appelle WhatsApp. Certainement, il a reçu un appel. En tout cas, on lui en voudra pas. Il a été très franc. Il nous a donné quelques informations. Ouais. Il n'a pas été langue de bois. Vous voyez, messieurs, quand on invite des anciens joueurs, bah, y en a qui se mouillent, il y en a qui disent des choses. Et merci, merci à eux. Merci, Bilal. J'espère que tu as pu dire les choses que tu avais à dire. Pas assez. Hein. J'ai encore sous le pied, frère. Eh ben, prends des notes. Non, mais franchement, ça fait plaisir, bien sûr. Prends des notes et tu pourras t'exprimer la prochaine fois. Merci à Mehdi, même en déplacement, tu réponds présent. On n'oublie pas Nomad. Pour ceux qui veulent visiter l'Algérie, le désert, j'ai déjà fait. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Après, je vais avoir des gens qui vont me dire quoi ? Qui vont me dire : ah, t'as aussi des parts dans Nomad ? Non, les gars, j'ai des parts dans nulle part. On va en discuter. N'hésitez pas, si vous voulez visiter l'Algérie, notamment le sud algérien, il n'y aura pas mieux que Nomad. Le Tessili, départ de Janet. Voilà. Merci à tous ceux qui travaillent en coulisses. Un énorme merci à Hamza qui est en backup encore une fois aujourd'hui. Ouais. C'est lui un peu le régisseur de l'émission ces derniers temps. Merci, un énorme merci à lui. Il fait du boulot dans l'ombre, il ne demande rien à personne. Et franchement, il nous est d'une aide qui il travaille chez Adidas, aux Champs-Élysées. Si vous voulez un maillot d'Algérie pas cher, c'est là-bas. Si vous voulez aller le voir, vous allez chez Adidas. Merci à tous. Ça y chème aussi. Hichem pour la vidéo de présentation qui est toute nouvelle, je ne sais pas si vous l'avez vue. Exactement. On va vous la remettre pour la fin, pour le final, on vous la met. Voilà, on vous la met à la fin. Merci donc à Hichem. Merci à tous ceux qui écrivent les articles sur la Gazette, qui nous apportent des infos. Merci à vous, les auditeurs, de nous suivre, ceux qui vont partager, ceux qui vont venir pour les prochaines émissions, ceux qui sont là, ceux qui étaient là bien avant nous d'ailleurs. Donc, merci à vous tous. On vous dit à lundi, Bilal, merci à toute l'équipe derrière technique parce que très sincèrement, il nous facilite aussi beaucoup pour le programme. La mise en relation avec les joueurs, la mise en relation avec tous les invités. On peut aller de Khalifa, Rabi, Zahir et encore plein d'autres personnes. L'équipe, bien évidemment, tous, hein, la Gazette, Mohamed Touileb, coach Fatah, d'ailleurs, qui a fait un très très bel article sur ce qui s'est passé. Vous pouvez aller le voir sur la Gazette. Mohamed, toujours, vous savez, il y en a encore d'autres. Je suis désolé pour tous ceux que j'oublie. Et comme tu disais, Adeline, l'émission, bien évidemment, de lundi. On reviendra avec Nazim Mahdi Nigeria. On reprendra la. Il y a un gros invité lundi, non ? Il y a la confirmation. Mais il y a toujours des gros invités. Mais tu es sérieux, quoi ? Déjà, Mehdi, quand tu es là, c'est un énorme invité. Non, mais je veux dire, il est gros, l'invité, non ? Ah, il est gros, l'invité. Un très, très gros invité. Est-ce que tu as parlé de Youss ? Youss ? Bah oui, son journal de la CAN, sur la Gazette du Fenech. Ah, non, j'ai pas. Tu veux en faire une... Bah non, je sais pas, il y a quelqu'un qui met... Il faut... Bon... Merci en tout cas à tous. On a passé plus de temps à faire des remerciements. Il y en a énormément. En plus, je vous jure, à la base, j'avais préparé une petite liste de noms de ceux à qui je prends les articles à chaque fois sur la Gazette. Je ne l'ai pas fait. Je le ferai, Inch'Allah, pour lundi. Mais il y en a beaucoup, beaucoup parce que c'est du travail de l'ombre. Donc, nous, on est devant la lumière, mais il y en a plein qui travaillent derrière et on les remercie mille fois. Exactement. À très bientôt à tous. On vous souhaite une excellente fin de semaine, un excellent week-end. Et Bilal vous donne rendez-vous lundi, Inch'Allah. Salam alaikum. Salam alaikum. On va vous laisser avec le nouveau générique qui a été fait. Attends, il est magnifique ce générique. On va les régaler. Adlan. والدماء الزاكية الطاهرات والبنود اللامعات الخافقات في الجبال الشامخات الشاهقات نحن طرنا في حياة أو ممات وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا